Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Bonjour, bonjour. Alors attends, il y a un certain Mira anonyme qui a envoyé plein de bits. C'est marqué 15 bits, merci Mira. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre prêt, c'est ça? Ouais, faut se mettre prêt. Ok. Alors du coup, je suis accompagné de Mira et de Tanpoint, qu'on n'a jamais vu ici. Bonjour. Qui est une personne que j'ai connue il y a très longtemps. Quand on était jeune et Dans une innocent. sombre époque, ouais. Dans une sombre époque. Je vais juste monter un petit peu ton son, parce qu'il est peut-être un peu faible sur le live. Oui, je peux parler plus près aussi. Hein. Hop, voilà. C'est vrai. Il a un bras de micro. Oui. Si, si, Kazoo, c'est ça. Hop, bon, bah, je me suis mis prêt. Bon, bah on lance du coup. C'est parti. Vas-y. La folle Ouais. aventure des aventuriers de Nishombo. Cinématique. C'est vrai qu'il y a une cinématique. Enfin, moi. Nichée en haut des falaises qui Elle va se surplombent la lancer, côte t'inquiète. des épées, la citadelle de Château Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à Féerune. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs saints de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée, vous donnant des instructions hâtives pour que vous vous prépariez à partir en voyage. Il vous a remis le peu d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. C'était pas du tout cheap déjà. Salut 1998, hein, on Baptiste. pardonne. Quoi? Oui. De talent. Alors, Donc, tout à l'heure, quand on a fait les tests, on dirait qu'il a tué les gardes, mais en fait, il fallait rentrer dans l'auberge pour acheter des trucs, c'est ça? C'est ça. Et que ça aille vite. Alors, est-ce qu'on peut déplacer? Ok. Le jeu est en un pause là, non? De talent. C'est moi qui. C'est toi, il est en pause. C'est où la pause? C'est espace? Ah ouais, c'est espace. Bon, du coup, faut rentrer. Comment on rentre? Ah! Attends, c'est une auberge ça? Ah, ok, c'est le clic gauche. Cheveux d'elfe. Teur. Alors, il faut bien discuter, pas les attaquer. Oui. Bonjour, mon enfant. Oula. On continue la leçon? Comment je peux utiliser les escaliers? Ah, c'est le tuto, bah, en gros. Faut monter les escaliers. Ah! Monter ou descendre de niveau inférieur? Ah d'accord, donc quand quelqu'un clique sur continuer, ça le change pour tout le monde, je crois. Ah, moi j'ai rien fait, moi. C'est juste que là, c'est l'un de vous qui a lancé un dialogue, moi j'ai rien fait du tout. Moi j'ai essayé de parler à lui, là. Mon hôtel est aussi ah, ok. Comment ça? Combien? 10 000 pièces d'or. Attends. On vient voir un vieux copain, hein. Mais ça, ah, j'ai oublié de payer 10 000 pièces d'or d'entrée. C'est une nouvelle taxe qui se pratique à Château Suif. C'est toi qui dois répondre, ouais. Tu as toujours été un grand farceur. Ah, c'est une blague? Ah oui. Je blaguais. Parce que là, le côté chaotique mauvais serait déjà ressorti. Ah non, du coup, Mira, c'est toi qui contrôle tout. Non, c'est oui. pas moi. Enfin, c'est parce que c'est moi qui ai lancé le dialogue là. Oui, c'est celui qui lance le dialogue qui contrôle le dialogue. Ce qui veut dire qu'on peut foutre la merde si on arrive à lancer les dialogues avant les autres. Bien sûr, qu'est-ce que tu proposes? Paysan. Ah, oh, ok, c'est le titre de. On s'en fout. Comment on sort? Ah, on peut se déplacer ah non, quand les même. Équipements, voilà, c'est là les équipements. Donc là, si vous voulez lui acheter des trucs, faut lui parler à lui. J'ai 730 Alors... pièces d'or. Est-ce que c'est les miennes ou est-ce que c'est les nôtres? Vraie question.
Il faut lui faire clic droit ou clic gauche pour lui parler. Clic gauche. Clic droit, tu pourrais les attaquer sinon. Mais c'est peut-être parce que je suis déjà en dialogue avec lui. Ouais, ou je pense que c'est parce que tu me bloques le chemin en fait, qu'on peut pas lui parler. T'as dit combien, 730? Ouais, 730 pièces d'or, paladin. Moi aussi, pareil, ouais. Je vois 730. Au pire, essaye d'acheter un truc et on va voir ce que ça va... Oui. Paladin, ton paladin, t'as vraiment un bâton? C'est un clochard à ce point-là? En fait, on a tous un bâton, je pense. Ouais. Bah, ce serait bien qu'on s'achète au moins des armes pour notre classe. Et... Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Ah, d'accord, ok. C'est bon, ça va. Ah, vous aussi, je vous ai dit. Oui. Oui. Vous pouvez lui acheter des trucs là, du coup, ou pas du tout? Déjà, est-ce que t'as acheté quelque chose, toi? Non, pas encore. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais je compte lui acheter, du coup, sûrement une épée courte. Et un bouclier, au moins, pour paladin. Peut-être une fronde. Ah, je peux pas lui parler parce que t'es devant, je crois. Ouais, non. Ça coûte que 4, et ça coûte que... Ah. On va devoir faire la queue. Ah oui. Est-ce qu'on s'achète des armures ou est-ce qu'on part vraiment juste avec des armes pour l'instant? Déjà, faudrait surtout savoir si l'argent est de l'argent commun ou si c'est propre à chaque perso. Bah, tu sais quoi, je vais déjà acheter ça. Achète je suis passé truc, à 708. Bon, pareil, donc du coup c'est l'argent du groupe, donc faut faire gaffe. Ok. J'ai acheté deux épées courtes. Bien sûr. J'espère que l'un de vous en aura besoin d'une parce que je me suis trompé. Moi c'est une épée à deux mains qu'il me faut. Merde. Soit une dague, soit une épée courte. Bah au pire, vous me dites ce qu'il vous faut et je peux acheter. Ou vous voulez voir l'interface d'achat? Bah, on aura le temps de la revoir plus tard, au pire achète. Oui. Donc deux dagues de Nathan? Moi il me faut une dague et... Une dague ou une épée courte et une hache. À demain la hache? Ouais. Marteau de guerre. Alors dague, on en prend une. Masse d'armes, fléau, H2G, hache d'armes. Ça doit être ça. Mais une seule dague, il se bat avec une seule dague, mais voilà. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, Dorthos? Je m'occupe pas. Hein? Il te faut quoi, toi, Dorthos? Moi, c'est une épée à deux mains pour le. Pour mon Kensai. Et pour la druide, je crois que j'avais mis une dague. Donc, c'est une épée longue? Une dague ou un bâton, ouais. Ouais, une épée longue. Bâton, bah, tu gardes bâton ou tu veux une épée courte? Non, bah, je vais garder le bâton, je pense que c'est bien. Oui. Ça nous fera des économies. Donc là, j'ai acheté des trucs, regardez si vous pouvez. Déjà les équiper. Oui. Je pense qu'il faut que tu nous les passes. Ouais, faut que tu les passes. Ouais. Parce que là, ils sont dans l'inventaire de la paladin. Et vous pouvez pas les prendre directement dans l'inventaire de paladin si vous cliquez sur lui, sur son icône tout en haut à droite. Tout en haut à droite. Il y a la liste des persos à droite et celui qui est tout en haut à droite. Non, ton interface est grisée. Ouais. Bon, pour l'instant, on va regarder comme ça. On regardera pour les armures après. Parce que je pense qu'on va s'acheter aussi une armure chacun. Il faudrait mieux, en effet. Alors. Alors c'est un très vieux jeu, hein. C'est normal la qualité, je préfère préciser. Maintenant, bon, on est sur Switch là. Non, c'est plus beau. Alors, inventaire. On va faire des échanges. Et c'était de dropper par terre? Oui, je peux jeter par terre par contre. Là par exemple j'ai jeté une arme, une hache à deux mains. Je crois que je la vois mais t'es devant. Ouais, faut que tu te déplaces à chaque item jeté. Ah bon? Bah, est-ce que tout est empilé, donc du coup, on sait pas. Et si vous allez à côté et que vous ouvrez votre inventaire, il y avait pas les objets au sol, il y avait pas? Si vous allez à côté et que vous ouvrez. Ouais, attends, j'essaie de le prendre. Ok, je crois que j'ai réussi à prendre un item là, mon deuxième perso. Ça m'étonne qu'on puisse faire des changes directement. Attends, j'ai une épée avec mon personnage. Hein? Ok, j'ai. Et la dague, bah c'était pour toi, donc. Ouais. Si vous voulez une autre dague, je peux en acheter. C'est vraiment pas cher, on peut acheter ce qu'on voulait. Bah, du coup, allez voir si vous voulez acheter des trucs. Votre armure, du moins. On a vraiment beaucoup d'argent. On peut acheter n'importe quoi. Attends, je vais pas regarder si je peux. Si on peut faire des échanges, en fait. Parce que ça m'étonne. Attends, comment t'avais fait pour accéder aux achats? Okay. Après, tu cliques en dessous. Tout en bas, t'as le deuxième icône, là. C'est les... Ouais, c'est bon, j'ai. T'as vu le prix des armures, par contre? Bah, on a 680 encore. De toute façon, moi, j'ai besoin d'armure que sur mon perso principal. L'autre, il peut pas en mettre. Attends, le mage peut pas en mettre. Et la druide, sûrement qu'elle peut pas en mettre non plus.
Je vais laisser la place pour l'instant, faut que je regarde si mon personnage peut en mettre. Ouais. Où est-ce qu'on voit ? Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Oula. Alors c'est où ? C'est dans paysan, marchand ? Attends, c'est dans marchand ? Non, c'est tout en bas. Tout en bas, t'as une barre de tâches. Et c'est le deuxième icône. Ah d'accord, ok. T'as un sac et une épée, je crois. Ah oui, et de toute façon, c'est en rouge, ce qu'on peut pas prendre. Quoi ? J'ai attaqué Exal là ? Non ? Oh, sûrement. Non. Ah oui, ça coûte cher, 30. En vrai, ça va. Ça m'étonne qu'on puisse pas. Mon hôtel est aussi propre. Ah, j'ai pu aller parler au marchand quand tu t'es déplacé. Bah toi, si tu veux lui parler. Ah, toi, je peux lui voler. Non, je vais pas le faire encore. C'est peut-être un peu tôt pour le voler quand même. 2 minutes de jeu, on est déjà mort. Du coup, on est d'accord que ce qui est rouge, c'est ce qu'on peut pas mettre. Je suppose, ouais. Bon, bah, du coup, je peux pas mettre d'armure avec mon. Ah, mais. Je l'ai acheté. Quoi ? Terminé. Sûrement. Je vais essayer avec mon deuxième perso. Ah ! Qu'un derrière d'un. Marchand. Ouais. Bon, bah, du coup, terminé. Et que ça aille vite. Attention, dialogue. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière. J'ai pas eu de dialogue. Ah, ça coûte cher la côte de maille. Bien sûr. Après, bon, est-ce que 112 ont craché dessus ? Comment est-ce que j'équipe ma deuxième arme ? Il y a que avec mon voleur que je peux voler, tout simplement, qui me propose l'action voler. C'est un peu logique en soi. Oh, je peux me transformer en loup-garou. Ah merde, je l'ai acheté sans faire exprès. Alors, je voulais pas l'acheter. Bon, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on va sûrement s'acheter des armures. Hein. Si je me transforme en loup-garou dans l'auberge, je suppose que ça va être mal vu quand même. Oui, non, ouais, tu essaieras ça, on sera dans la forêt. Sinon, on va devoir te tuer pour faire genre on n'est pas avec toi. Ouais. Oh non, un loup-garou. Oh zut, je craque. Voilà, c'est bon, problème réglé. Bon, avant de cliquer partout, si vous attendez 2 secondes, ça vous dit c'est quoi ? Par exemple, là, c'est putain rapide cette touche. Quoi ? Hein ? Pourquoi chaque fois on me demande. Est-ce que t'as c'est fait moi qui te parle ? Quand j'essaie de te parler. Et que ça aille vite. F2 aussi bâton. Dit, aussitôt fait. Bah ouais, mais comment je fais ? Normalement. Hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. C'est compliqué. Ouais, un petit peu quand même. Cool. Bon, je pense que c'est le début et après ça ira. Oui, ouais, faut comprendre le jeu. C'est le temps qu'on apprenne un peu tout l'interface. Bon, déjà j'ai compris qu'avec 1 et 2, je peux switcher entre mes deux persos. Et après, je sélectionne leur arme avec F2 pour l'attaque rapide. Ça faut. On va éviter de l'utiliser. Oui. Ah, mais je suis débile, pourquoi j'ai acheté un bouclier ? Bon, bah, si quelqu'un a besoin d'un bouclier. Moi, j'ai déjà acheté un écu normalement sur Paladin 2. Attends, parce que moi, avec 1 et 2, tu vois, ça me switch pas de personnage. Voilà. Bah, toi, c'est peut-être du coup 4 et 5. Et que ça aille vite. Oui. Il a raison, c'est ça. En effet, ouais. Quoi ? Donc, toi, tu joues le personnage 4 et 5. Moi, non, moi, c'est 5 et 6. 5 et 6. 5 et 6, pardon. Oui, quoi ? Et Nathan, c'est 3 et 4. Un gaspillage de talent. Quand vous aurez fini de parler, je vais aller acheter mon armure pour mon paladin. Bah, vas-y, tu peux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tu veux, hein. Oh, c'est chiant, ça, quand même. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elle. Bah, de toute façon, on voit que c'est pas un jeu auquel ça va être rapide. Ça va être long. Ah, oui, bah, c'est un JDR, hein. Donc, Armure feuilletée, pesantine. Comment on sait c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait quoi ? Côte de maille, armure feuilletée, y'a pas une armure. Parlez au vieux là ? Un casque, ça coûte rien. Si rares de nos jours. Vous avez le dialogue vous aussi, je pense ? Ouais. J'ai entendu les gens rares sont okay. Vraiment. Mais toi, tu l'as pas, Mira. Armure feuilletée, je suppose que c'est ce qu'il faut pour moi. Hein. Bah, mais j'ai appris quelque chose. Le journal a été mis à jour. En effet. Vous croyez que c'est des billes qu'il faut pour la fronde ? Non, c'est des cailloux normalement. Ah, des billes, des cailloux, les deux doivent marcher, non ? Au pire, c'est un gold de les 20 billes. Je pense qu'on pourra survivre à cet échec si jamais c'est pas ça. Bah, du coup. Ouais, non, on peut vraiment s'acheter les armures. Hein.
Même les très chers. Bah, de toute façon, fais-toi plaisir. Moi, mes personnages, je peux pas les acheter. Hydromel, bière, vin sec. Mais on peut pas savoir les. On peut pas savoir l'effet. Par exemple, si j'ai du vin de sang, qu'est-ce que ça fait le vin de sang? Est-ce qu'on peut revendre Oui, on peut revendre. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Donc elle a l'air un peu comme. On apprend. Ça. Alors, je ne peux pas revendre mon bâton. De toute façon, il vaut 0 apparemment. Oui, c'est parce qu'il vaut 0 que tu peux pas le vendre. C'est pareil, j'ai acheté. On a jamais eu de rat. J'ai acheté une fronde, elle, comme elle valait 1. Bah, je peux pas la revendre parce qu'elle se revend 0. Voilà, j'ai abandonné mon bâton. Oui. Oui. Pensez bien acheter un casque aussi, ça coûte que 1 et. Ah ouais. N'hésitez pas à acheter un casque. Vous n'êtes pas des mercenaires, hein ? C'est bon. Donc c'est bien des billes qu'il fallait. Ces sales gripsous. Ah bah du coup je suis désolé, je veux juste venir réacheter des billes. Ce personnage là n'a pas le droit d'acheter de casque. J'ai l'impression de jouer un barbare en fait. Mes chambres sont les meilleures de la côte des épées. Bien sûr. Elle a le droit à rien je crois, pas une tenue rien du tout. Ouais, non. Qu'un derrière d'elfe. À Walp la mage. Ronde, bâton, lance. Ah oui je peux acheter des lances aussi sur mon paladin normalement. J'en ai acheté quelques-unes. Visiblement, l'argent, c'est pas trop un problème. Il nous donne suffisamment d'argent pour qu'on joue. Voilà, 60 billes, ça suffira, je pense. Hein. Je peux pas sortir de là? Je suis bloqué? C'est peut-être que je suis en train de parler au PNJ en même temps. Attends, je me déplace. Mon hôtel est aussi propre ça devait être ça. Qu'un derrière d'elfe. Ah, du coup, moi, je peux tout utiliser quasiment avec mon paladin. Hop, j'achète 30 lances. Par contre, je suis déçu. Ah non, c'est. Ah d'accord, oh, je suis un peu con. J'ai fait une bêtise. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, c'est aussi bon, j'ai aussitôt. Et que ça aille vite. Je peux les rendre. Parce que je croyais que c'était des. Ah. Désolé. Bien sûr. J'enlève, c'est espace. Parce qu'en fait, je pensais que. Quand j'ai vu lance, entre parenthèses 10, je pensais que du coup, c'était des lances qui se vendaient par 10. Et qu'en fait c'est des objets de lancer. Moi je pensais vraiment que c'était une lance bah, comme un pic quoi. Ouais. Mais et non c'est vraiment ça du coup. C'est vraiment vraiment ça. Donc j'ai pas eu de problème. Bon, moi je suis prêt, c'est quand vous voulez. Je suis prêt aussi. Je suis prêt. Allez, oui, il faut que je sélectionne les deux persos. Hop. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, on va où? Je sais pas, on a pas un journal de quête? Déjà, on peut bien dézoomer. Ah, si, on a un journal de quête. On peut tellement dézoomer. Ouais, journal de quête, je crois que c'est ça, non? Ah non, ça c'est le sort profane. Journal. Événement important, le parchemin peut être flamme. Trouver Gorion. Faire le flamme, cheveux, de visage, blablabla. On fait quoi en premier? Attends, déjà, est-ce que je peux sauvegarder la partie? Ça fait quelque chose si je sauvegarde la partie? Ça m'épose. Ouais, ça me pose. Je pense qu'on revient là, exactement là. Là, j'ai sauvegardé. Ça vous a fait quelque chose? Non. Ça a enlevé la pause okay. Après, quoi. Donc, on peut faire des sauvegardes assez récemment. Enfin, assez souvent. Tout à l'heure, on s'est fait ouvrir en deux par un clochard. En même temps, on a agressé la populace. Normal. Bon, je crois qu'on a agressé. Non, mais je crois que le mec de quête, c'était dans le bâtiment, là. Le château, tu penses? Ouais, quand on est rentré, le mec, il nous a dit. Il nous a dit quelque chose. Ah oui, il a dit, vous venez revoir votre vieil ami, je sais pas quoi. C'est oui. Vrai. Ah, tu vas dans l'auberge? Non, c'était pas là qu'il fallait. Non, c'est là. Vraiment dans le château. Mes hommages, voilà. Jeune personne. Bonjour, mon enfant. Voilà. Parlez-moi du. Ah, je vais juste regarder, c'est quoi le taco? Vas-y. Le taco. Parlez-moi du taco. Du coup, c'est bleu, c'est qui? C'est moi. Le taco touché par armure de. Ok. D'accord. Ok. Ok. En gros, c'est le système du plus ton armure de classe est élevée, plus tu pourras toucher et inversement. C'est des trucs qu'on apprendra sur le tas au pire.
Père ta flamme qui vous envoie. C'est moi qui ai lancé ce dialogue là ? C'est le rouge. Oui. Donc ouais. Journal mise à jour, parchemin de peste flamme. Donc voilà, donc ça, là on a avancé la quête. T'en lui veux. De perle flamme. Bonjour, mon enfant. Ah oui, c'est le truc là. On continue. Lui c'est celui qui nous parle des tacos. Ok. Donc maintenant on a vraiment parchemin. J'ai récupéré le parchemin auprès des terrotiles. Il faudrait probablement retourner à l'auberge pour le rendre à Père le Flamme. Ah bah. Allez hop, c'est parti. Il aurait pu faire lui-même. Hein. Putain, c'est juste à côté. C'est... Non mais c'est loin. Ah, ah oui, je comprends. T'as fermé la porte. Alors Père le Flamme, c'est qui? C'est pas. C'est pas le mec devant là. Un gaspillage de talent. C'est le clic, non? Père le Flamme, c'est le mec là-bas là, avec la cape jaune. Salut. Comment on rentre déjà dans l'auberge? Ah oui, là. Si rare de nos jours. Ah, je suis heureux de voir qu'à votre âge. Oh, une potion de soin. Oula! J'ai level up là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois me faire tuer? Non? Non, je crois qu'il t'a protégé, je sais pas. Mais y'a que moi qui ai le droit? J'arrive pas à rentrer dans l'auberge. Et clique au fond. Ouais, en fait, tu sélectionnes deux personnages, ça marche pas. Bah, j'ai mes deux personnages là, mais. Non, t'en sélectionnes qu'un seul. Voilà, maintenant t'as les deux. Bah là t'avais l'icône voilà, c'est bon, il est ah mais je sais pas, j'ai pas me cliquer que sur le clic gros. Mais qui a joué sa lance par terre là? C'est moi, c'est mon bâton, mon personnage secondaire. Bah, attendez. Il y a protéger des gens dans le mal, ouais. Mais y'a que moi qui l'ai. Vous. A plus. Ah mais nous on est plus parler aussi. Hein. Tu crois? Bah attends, on va essayer. Bah, les gens bien sont si rares. Mmh. Ok. Voilà. Merci pour le follow, Pitounet. Alors moi non, quand je te parle, bah, ça dit rien de plus. Hein. Si de non, bah je sais pas. Ça. Mais il y avait des gens ici qu'on n'a pas parlé. Je suis heureuse de rencontrer une personne telle que vous. Ah, c'est pas ce que ton dialogue me dit. Je préférerais que vous me laissiez. Ouais, je suis heureuse de vous rencontrer. Veuillez partir s'il vous plaît. Mais après c'est où tu fais? Oula. Oh oui. Attends. Chérie, ils sont on ne peut plus de quoi nous. Mais tu viens nous dire de dégager. C'est quand même plutôt triste. Ah, c'est là, pas c'est qui s'occupe du dialogue. C'est pas bon. D'accord. C'est répondu la 3. C'était quoi la 3? Ne vous inquiétez pas, je sais pas quoi. Oui, oui. Ah, y'a une bibliothèque, on peut interagir avec une bibliothèque. Moi je suis sorti là. Ah, vous êtes parti. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais. On peut. Bah, tu peux rester si tu veux, moi je. Ah oui, mais non, mais c'est vrai que moi je suis un voleur, faut que je fasse gaffe. C'est vrai, oui. Alors, je devais avoir un petit bug en fait, parce que tout à l'heure. Une nouvelle quête. Ça marchait du premier coup. Alors, c'est quoi la quête? Le livre de Fildia. Elle a perdu un de ses livres la dernière fois qu'elle s'est rendue au château suif, elle a égaré. Dans le foin, pour là où ils gardent les vaches. Ouais. Bah là, il y a des vaches. Ouais, il y a une vache juste là. Oui. On peut parler aux vaches? Merde. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être là-bas, je vois qu'il y a du foin sur la map. On le garde. Eh hey, la vache, t'as vu un. T'as pas vu Eh hey. Non. Si, là on peut cliquer dessus. Tu l'as vois bon, ouais. Ah oui, là, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai. Ok. Bah, je crois que je l'ai. Ouais, c'est bon. Bah, vas-y, va lui rendre son bouquin. C'était elle là. Attends, je cours très très vite là. Ok, bon, en fait, c'est que des tutos, les ouais, non, c'est que des tutos. On apprendra sur le tas. Et on peut dézoomer énormément. Là, je. Ah, c'était le château en entier. C'était laquelle qui avait son bouquin, la vieille, là? C'est la bleue. La bleue. Bonjour, la compagnie. Oh, tu me rappelles, Gurion. C'est des gemmes. Le groupe a perdu l'objet, ouais. Gemme œil de lynx. Vieille, j'ai un œuf dans l'inventaire. Enfin, c'est pas un œuf, mais. Ok. Mais du coup, on sait pas c'est quoi. Bah, Attends, je regarde ce que ça dit. Alors, l'œil de lynx,
ça m'a fermé la page. Ok. L'œil de lynx, c'est une. En fait, c'est une description de l'œil de lynx. Ok. Ça sert à rien. Pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il faut rentrer dans le château puisque Gorion il était là? Ou est-ce qu'il faut aller ailleurs? Parce que là, faut trouver Gorion. Faut peut-être, ouais, faut peut-être lui dire, ça y est, on a fait ta dangereuse quête. Bonjour, mon enfant. Ah, c'est le tuteur, je me suis trompé. On continue la leçon. Dans l'habitude, il fait le tour du château. Oula! Oh, il y a du monde ici, là. C'est quoi ça? Voix du sud, voix du nord. Je suis très fier de vous. Ah. Allez voir. Il m'agresse, lui. Allez voir Gorion et écoutez bien, car sans la connaissance de l'an, la vie n'est que mort. Oui, leurs dialogues sont buggés. Ah, Gorion, je crois qu'il est là. Ouais, il est là, Gorion. C'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Mais laissez-moi tranquille. Je me fais agresser quoi? Je ne crains de ne pas pouvoir discuter aujourd'hui, ma petite. Mon père souhaite que je me prépare à partir en voyage. Je veux qu'on me laisse tranquille, je n'ai pas le temps. Oh, mon enfant, c'est une gamine, d'accord. Je suis désolé, mon enfant. Alors, je suis désolé, mais moi, en termes de skin. Oui. Oui. Il n'y a pas trop d'années, donc, car Widrop va vouloir préparer les lits. Ouais, bon, je. Comment ça, petite fille? Ça va, j'ai compris. Je vais lui demander si tu peux. Non, on est 6, on est déjà 6 soit. Tu peux venir, Gorion, nous permettre de gagner. Tu nous ralentirais, t'es plus utile ici. On lui dit quoi? Tu nous ralentirais. Ah. En vrai, moi, je partirais sur la 3 aussi, parce qu'on est déjà 6, il faut jouer absolument pas qu'elle vienne, quoi. Balance la 3, vas-y. Quoique, en vrai. C'est une hideuse. On aurait peut-être pu lui dire de venir, tu sais, comme ça, si jamais on perd un personnage, ça aurait été le remplaçant. Et bah, c'était. C'était très impoli, très bien, j'aurais su dans le coup de mes oignons. Monsieur G. Paladin est un goujat. Ah. Bah là. Bah non. Attends, comment on va jusque là? Ok, faut faire tout le tour. Je suis pas un goujat, c'est une enfant et on part pour une aventure dangereuse. Je suis loyal bon, moi je l'accepte pas. Écoute, moi je regarde son skin là actuellement, elle ressemble pas du tout à une enfant. Hein. En plus, elle a dit qu'elle était un peu plus jeune que nous seulement. Enfin, que toi. Vous êtes une bien étrange personne. C'est vrai qu'elle a quand même des gigameules. On parle à Orion du coup, Gorion. Bah, c'est ouais. Lui là. Ouais. Vas-y. Ah mon enfant, comme je suis heureux qu'on se retrouve. Je suis prêt à partir, attendre encore un peu. S'il vous plaît, père, dites-moi où nous allons. Que pouvons-nous bien craindre? Que dois-je emmener pour le voyage? Si vous m'aidez un peu, je sache ce dont j'aurai besoin. Bah je suis, on est prêt à partir, là, on est d'accord. Bah t'es qui? Ouais. Je pense. Allez, notre première quête, on va à l'aventure. Waouh. Oula. Écoutez-moi bien. Ah, c'est moi. Si jamais nous nous séparons, il faut impérativement rejoindre l'auberge du Brasse-Coureur. C'est là-bas. C'est marrant, c'est pas ce qui était écrit. Ouais, il a écrit Brasse-Mikan. Ils sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. Hein? On m'a encore fait du truc, je suis tout blanc. Mon enfant, la nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci, je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps. Ils savent pas lire les doubleurs ou c'est fait exprès? Oh, un instant, il y a quelque chose qui cloche. Ah, il parle plus fort. Nous sommes tombés dans une embuscade. Tenons-nous prêts. Aïe, aïe, aïe. Il a l'air paniqué. Vous êtes réceptif pour un vieil homme. Il y a quand même une belle vue parce que nous on le voyait pas. Vous savez pourquoi je suis ici? Rendez-vous et personne ne sera blessé. Si vous résistez, vous le paierez de votre vie. N'empêche, un jeu 98 full traduit, c'est quand même assez rare. Hein. Vous avez tort de c'est croire vrai. Que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté et aucun mal ne vous sera fait à vous comme à vos laquais. Bah, à votre avis, Gorion il meurt ou pas? Je suis désolé. Non, c'est un vieil homme. Que vous le preniez comme ça. C'est vrai. Vieil homme. Il va tous les défoncer, vas-y. Ils sont un mec qui fait 3 mètres de haut et 2 mètres de large là, non? Ah oui. C'est un tronc d'arbre qu'il a dans les mains en fait. Oh ah, je ne fais rien, c'est pas moi qui joue. C'est lui qui. Ah. Ah, il se fait goumer. Ah non, ah non. Je crois qu'il est en train de tous les goumer. Wow. Wow. Oh putain. Tu vois, ça c'est le niveau maximum, ça. Oh non. Ah merde.
Non ! Corian ! L'aube est particulièrement cruelle ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous, et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Il vous a demandé de prendre la fuite, mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent. Remettez-nous votre enfant, dit le félon en armure. Il en avait après vous, et vous seulement, mais pour quelle raison ? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste, mais à présent, vous vous sentez seul et perdu. Château Suif n'est pas loin, et vous ne pourrez pas vous y réfugier. Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes, et sans l'intervention de Gorion, leurs portes demeureront fermées. Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel. Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé, ceux du bras amical. Bon, moi ce que je note, c'est qu'on était 6, d'un coup on passe 1. Ouais, je pense que... Nous on est, pas les... on est des personnages secondaires. Hein. Oui, c'est ça. C'est Paladin le héros. Pas que c'est Paladin, mais... C'est moi, Imoen. C'est bon, ah, Imoen. Bah, elle nous a suivis finalement. Tiens, c'est moi qui dois choisir apparemment. Je t'interdis de me surveiller, mon voyage. Bon, on fait quoi? On lui dit quoi là? Comment plus de courant, Gorion, on n'en avait pas parlé. Je t'interdis de me surveiller. Retourne vite. Putain, comment on est méchant. Ouais. On est des bâtards ou on est des... Bon, un peu... Ouais, c'est rempli, c'est un PNJ à sacrifier. C'est dommage parce que quand même, Paladin, c'est un loyal bon, donc j'ai pas voilà, prendre des choix de sac. J'ai eu, par hasard, j'ai eu une lettre sur un bureau l'autre jour, je me souviens pas exactement de ce que je disais. De toute façon, je ne vais pas te laisser errer seul. On n'est pas seul, on est 6. Non, nous on est secondaire. On lui parle. Nous on n'existe pas, nous sommes, nous sommes ta conscience. Normalement on ne fait qu'un seul perso. Ouais, nous sommes ta conscience, Paladin. Retirer un des membres du groupe? Bah non. On retire elle. Ah oui, bah oui. À moins que quelqu'un veut jouer Moël, mais bon, ça m'étonnerait. On peut la retirer ou pas du coup? Oui, je peux la retirer moi. Bah retire-la, vas-y. Voulez-vous vraiment supprimer ce personnage du groupe? Voilà. Au revoir, Emoël. C'est une bien étrange personne. Du coup, elle s'en va. Hein? Mais notre amitié est tout. Alors, on se connaît depuis des années, je crois que je vais attendre jusqu'à ce que tu aies besoin de moi à nouveau. Car ça ne va pas tarder, tu verras. Ah oui, voilà. Attends, si elle reste ici, par contre? Si tu veux, on l'encercle, on la tabasse. Hein. On va peut-être éviter, non? Regarde, j'ai pas sélectionné. Vous devez réunir votre... Bon là on est en bas de la map. Alors attends, je voulais tester ma transformation en loup-garou moi. Quoi? Sûrement. Bah par curiosité. Bonjour la compagnie. Elle va pas avoir peur hein. Attends, il y a un gros. Ouais, il y a un gros. Ah. Bon bah il me parle. Eh bien c'est une bonne journée. Des bruits étranges toute la nuit. Maintenant les foules de gens se promènent dans les bois. Ça n'a quand même pas l'air très accueillant. C'est intéressant de vous rencontrer. Je rappelle que c'est... Putain, le nombre de dialogues qu'il y a. Oui. Laissez-moi! Mais derrière mon père adopté chez moi aurait été attaqué hier soir. J'ai besoin d'aide, on m'a attaqué cette nuit, il me faudrait une... Vous avez croisé des voyageurs dans cette forêt en voyage. Que faites-vous ici dans ce bois? Tout le monde est... Bon, allez, je voulais choisir la réponse et je répondrai. Ouais. Vous aussi, vous avez le texte en rouge pour pouvoir choisir? Non, c'est que toi. En fait, c'est moi je peux choisir, moi et vous pouvez lire, mais vous me dites ce que vous voulez que je choisisse en fait. Je sais pas, vas-y, choisis comme tu veux, moi je m'en fous. Oui, choisis. Bon, j'aurais dit la 4 de base, c'est la plus neutre. Oui, oui. Ouais, vas-y, alors. Ça marche pas? Ah, c'est bien ce qui me semblait, vu qu'il parle à un de mes personnages, c'est à moi de choisir du coup. Oui, ça marche. Oui, c'est à toi, d'accord. Ok. Alors, juste que ce soit ceux que vous cherchez, ils n'ont pas l'air très avenants. Ils sont bien loin de l'auberge, si vous voulez les trouver. Je les ai laissés il y a peu, non loin d'ici, de toute façon. Vous les dépasserez si vous allez au bras amical. Non, bras amical. Non, bras amical. Bras amical. C'est là-bas où on doit aller. Il y a un carrefour un peu à l'est et l'auberge est au nord. Merci de m'avoir écouté, j'ai pas présent. Mais mon père a été agressé. Voilà, merci pour rien. Pas très engageant comme débat. Quoi? Bah, il est parti. Il a disparu. Alors ça c'est le soin des blessures légères. Donc du coup je disais ma transformation en loup-garou. Ah mais je peux peut-être la faire qu'une seule fois.
Quoi, donc du coup, je vais la garder. Ah ouais, garde-la pour un combat. C'est vrai qu'on voit rien là. Putain. C'est vrai que notre vision, elle est pas très. En fait, on doit découvrir. Salut toi. Ouais, c'est qui eux? Montaron et Xar. Moi, je leur fais pas confiance. Parlez, hein. Votre esprit est assez perturbé comme ça. Laissez-moi tranquille. Votre compagnie est déjà oula suffisamment déplaisante. Bah, okay. Moi, je suis désolé, mais au vu de son image de profil. Vous m'avez parlé. Voilà quoi. Bon, et l'autre, Montaron, il est plus éclat. Vous étiez exaspérant. Cela nuit à mon équilibre. Mais calme-toi. Je serais ravi de recevoir de l'aide, je préfère me débrouiller. Ah, c'est encore des compagnons. Bah ouais, donne-nous les potions de guérison. Vas-y, prends le popo. Pour une fois, quelqu'un qui veut pas nous buter. Rien à craindre, ce sont des simples potions et vous ne devez rien. Non mais c'est des potions... Ça l'a... C'est des potions de baise en fait, je suis sûr, il a mis du... il a mis du Xanax dedans et c'est pour nous violer le cul. Il y a de fortes chances. Je ne peux pas faire grand chose d'autre. Je ferais bien d'aller avec vous. Non. Bah non, légal. J'irai de mon côté. Je me joindrai bien à vous, mais je dois d'abord rencontrer quelqu'un. Vous pouvez peut-être m'accompagner. Ah, réponse 2. Laissez-moi tranquille. Mais il y a laissez-moi tranquille dedans comme ça. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on puisse récupérer vite un groupe de 6 personnages. Ouais. Je vais envoyer quelqu'un. Oh, merde. Vous verrez. Il est méchant, Monty. C'est vraiment pas un enfant de cœur. Oh merde, oh merde! Y'a quelqu'un? Attends, par contre, c'est en temps réel? Bon, bah. C'est tout? C'était dur. Par contre, c'est en temps réel, c'est ça qui m'inquiète. Je pensais que c'était du tour par tour, moi. Il venait de par là. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre ou. J'avais inspecté le truc là? Bah, c'est ce que j'essayais de faire, mais ça faisait rien. Y'avait rien à loot? Je crois pas qu'il avait quelque chose, non. Il faut se déplacer avec les flèches. Il faut pas qu'on se sépare. Ah, là, il y a un chien. Regardez sur la map, au nord, il y a le site de l'embuscade. Tue le chien. Merde! Paladin va mourir! Bien sûr. Ah! Non, attendez, parce que là. Oh, oh merde! Mais c'est un loot clochard, qu'est-ce que. Attends. Et que ça aille vite. Oui. Y'a pas. Comment on fait les sorts? Pas des sorts? Là. Ah là, j'ai un sort. Vas-y, je t'ai mis un sort de soin. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, en gros, il faut faire attention à pas misclic parce que c'est moi qui t'ai attaqué en fait. Quand j'ai voulu cliquer sur le loup. Ah! Oui. Tu vois, tu stuffes les alliés, ils te trahissent. Je m'en vais, hein. J'ai vraiment besoin de faire soigner mes blessures. Quoi? Bien sûr. Voilà, on l'a tué. Bien ouais, il faut faire attention à pas misclic. On est soigné après ou pas? Oui. Y en a une qui est presque morte, là. Bah, c'est toi? Non, c'est Alon, c'est C'est mon personnage. T'as combien de sorts de soins par Là il faudrait soigner Paladin. Bah écoute, on a plus de sorts de soins. Un gazon plus talent. Alors que j'ai claqué un sort de soins déjà normalement sur Paladin pendant le combat. Hein. Mais y a la potion. Quoi, je bois déjà la potion? Vas-y, comme ça. Il te reste combien de HP là? 3. Ah mais on a 2 potions de soins. Vas-y, bois-en une. Restore 9 points de vie. Ok, faut vraiment faire attention à pas misclic. Voilà, j'ai bu une potion. Par contre, ce qui m'étonne, c'est. Bon, après, c'est vrai que c'est un jeu qui t'enchaîne, mais dans Pillars of Eternity, quand tu rentrais en combat, ça mettait automatiquement le jeu en pause. Et tu pouvais choisir tes actions. Je pense que c'est toi qui dois mettre la pause. Ok. On continue dans cette route là, on fait quoi en fait? On se promène? Moi, je sais pas. Moi, je vous suis. Hein. Moi, j'avance, mais est-ce que c'est ce chemin? Non. Parce que si tu regardes la carte avec M, t'as le site de l'embuscade au nord. Ah oui. Sinon, bah, on va au nord. Bah, de toute façon, là, on est au bord de map, donc. Non, c'est là où on s'est fait attaquer là. Nous on doit aller à Bras Amical.
Faut peut-être suivre la route, tout simplement. Il y a une carte du monde. Hein. Là-bas, c'est le château sud. C'est attends. Je... C'est de là où combien le château suit. Ouais. Vers où? Vers château suit à l'ouest. Et nous, on doit aller à la baie à machin. Il y a quelqu'un ici. Juste à gauche. On peut lui parler, toi. C'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un gentil. Ah, on peut lui parler. Ne me touchez pas. Ouh. Oh, je putain. Risquerais d'attraper quelque chose. Okay, c'est sûrement encore un PNJ qu'on pouvait avoir. Il va sauter au secours. Mais sautez donc, je vous prie, cette fois. C'est fait. Jeeves, je parie que je serais heureux. Oh là là. Il a pas sauté. Ah, il y a un ours. Ah, on peut parler à l'ours. Je crois que l'ours il peut sauter. Bonjour. Je crois, l'ours. Que c'est un... je crois qu'il nous attaque, l'ours, non? Non, non, je parle là. Ah, on peut rien lui faire, mais. Si tu veux, on peut le regarder. Hein. Non, Je pense qu'il nous découpe en vrai. Mais t'as pas un truc familier? Je peux en invoquer, mais je sais pas. Je peux essayer de l'invoquer. Mais je sais pas si c'est que en combat ou s'il disparaît après. Ah oui. Quoi? Et que ça aille vite. Et il disparaît parce que j'ai déjà utilisé apparemment pendant le combat d'avant. Ah, mais c'est là, on s'est fait attaquer par. Oui. Ah bah, ah, il y a Gandalf. On va aller voir papa. Il est coupé en deux. Hop. Oh, il y a du stuff sur lui. Ah ouais? C'est. Il y a du stuff sur lui, il y a du stuff sur les mecs qu'il a tué aussi. Oh, il y a une grosse massue. Et un anneau. Des golds, un arc. Bon, je ramasse tout pour l'instant, on verra qui a besoin de quoi après. Bah là, il y a une armure peut-être. J'ai vu les gueules disparaître en tout cas. J'ai un parchemin. Le parchemin, tu peux le garder si tu veux. N'importe qui peut lire un parchemin et lancer des sorts, d'après ce que j'ai compris. Ah, il faut que je le donne à un mage. Bah, je crois pas. Hein. Armure de cuir. Quelqu'un a besoin d'une armure de... J'ai mis le parchemin par terre. S'il y a un mage là. Bah, moi j'ai un mage. Mais je crois que n'importe qui peut lire. Attends. On peut le prendre quand même. Parchemin de. Ouais, non. C'est un parchemin de. Ah, mais c'est un parchemin de Gorion. C'est peut-être pas un parchemin de sort, si. Je sais pas. Au pire, lis-le. Veuillez excuser le style abrupt que j'utilise aujourd'hui. Oui, c'est un parchemin écrit. C'est pour du lore. C'est super long, j'ai pas envie de lire tout ça. Voilà, j'ai tout lu. Mais du coup, il s'est fait buter dans le site d'embuscade là. Mais pourquoi ils ont juste pas suivi la route pour aller à la ville? Bah, il prenait le chemin le plus court parce qu'il est con. Oh. Oh putain. Bah, faire attention. Ouais, alors là. Quoi? Donc. Bien sûr. J'ai sélectionné le loup. Moi aussi. Ah oui, attends, on peut sélectionner. Et que ça aille vite. Ah oui, effectivement, quand c'est pas l'un de vous qui me tape, je tank. Ça va tout de suite mieux quand je me fais pas taper dans le dos. Alors attendez, parce que par contre, je me rends compte d'un truc, mais sur Paladin. Quoi? J'aimerais bien qu'il utilise bien épée sûr. Et bouclier, voilà, c'est mieux. Et que ça aille vite, aussitôt dit, aussitôt fait. Y'a un mec là encore, mais c'est sûrement encore un mec qui demande de rejoindre notre groupe. Ah oui, quand on contrôle les deux, on peut pas utiliser leur spell. Ouais, il faut alterner, c'est chiant. Quoi? Ouais. Il nous suit, lui. Qu'est-ce qu'il veut? On Kinkos. Bute. Est-ce qu'on lui parle? Ah. On doit être mon gars, pas de cas. Bah, c'est toi qui viens nous parler. Bien sûr. T'imagines, tu te promènes dans la rue, il y a un mec qui vient te voir, il fait « Ouais, excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler. » Un gaspillage. Ouais, excuse. J'ai pas ton temps, en fait. Ça m'arrive souvent. Bon, avec mon assassin, j'ai un truc pour détecter les pièges. Ah, on peut aller à l'auberge de Bramical. Ah non, on peut pas pour l'instant. Bah, elle est où, en fait? On sélectionne le truc entre les deux, je crois. Non, moi... Ah, c'est parce que c'est toi qui choisis. Ouais, c'est parce que c'est toi qui choisis. Et là, oula. Putain, y'a un vieil homme qui nous agresse. Voilà près de 10 jours que j'ai croisé... Que je n'ai pas croisé âme qui vive sur cette route. J'ai pas eu de vraie conversation. Pourtant, y'a des mecs qui nous ont agressé hier. Il y avait environ 30 mecs qui voulaient rejoindre le groupe à côté. Si vous voulez bien m'excuser, à quelle catégorie appartenez-vous? Je ne voudrais pas dire...
Êtes-vous à la hauteur de vos critères? Critiquer la santé mentale de parfaits inconnus me semble faire une preuve de déséquilibre plutôt douteuse. Je suis assez désespéré en fait. Pouvez-vous me dire où se situe l'auberge Bramical? La réponse numéro 3 est tellement violente. J'ai mieux à faire que d'écouter le bavardage d'inconnus au bout d'une part. Allez, Oust. Oust, débarrassez-moi de toi. Deux ou trois. Je suis désespéré, pouvez-vous... en vrai, on a besoin de savoir où elle se situe, donc la 2. Normalement, elle est au nord, on le sait, mais... Oui, l'auberge n'est pas trop au nord, et c'est parti, ouvert à tous, je... Ok, bon, c'est bon, je pensais qu'il allait demander de l'argent, mais non. On n'a pas d'argent. Ce qui est bien, c'est qu'il a découvert un peu la carte pour... À l'assaut Donc désolé, je vais mes pauses à chaque début de combat, hein, parce que c'est... Oui. Sinon, on va pas s'en sortir, sinon. Normalement, c'est bon pour moi. Ouais, moi aussi, c'est bon. Oh, le pont, il se fait bouillard, quand même. Voilà. En même temps, on n'est pas censé être 6, je crois, dès le début. Bien sûr. Ah, on peut... Attendez, on pouvait ramasser un truc... J'ai vu qu'on pouvait ramasser un truc ici. Près d'un arbre. Il y avait un truc à ramasser. Et mon curseur s'est transformé en main. Ah non, c'est peut-être parce que j'ai descendu la cam. Non, c'est parce que j'ai descendu la cam. Bon, on suit la route, du coup. Bah, vaut mieux, ouais. Ah. Bon, du coup, on suit quelle route? Auberge, bras, au nord. Ah, bah, au nord. Ça se voit, parce que là, j'ai l'impression qu'on va soit vers l'est, soit vers le sud. Oh, bah, c'est sûrement celle-là. Ouais, là, c'est le nord. Parce qu'après, il y a au sud ou ouest. Ouais, voilà, ça remonte. Ah, mais cet oiseau, là. Ça rappelle Age of Empires, un peu, ça. C'est vrai. Et non, c'est la mâche qui est toujours devant. Oui, Salut, cop. Ah, oula. C'est un gentil, ça. Oui, c'est un gentil. Si ça ne vous dérange pas, essayez de ne pas élever la voix. Il y a des monstres près d'ici qui ont l'ouïe fine. Ah bon? Allô? Qu'est-ce que t'as dit? Attends, il est pas mal crié, genre. S'ils entendent, s'ils viennent, je suis capable de les recevoir comme il se doit. Oh là là. Ouais, réponse numéro 4, c'est bien, ça va faire de l'XP. Oh, de ouais. Quoi... Celle-là ou de quoi dois-je me méfier? Ça fait mec. Ah non, moi je serais plus pour la numéro 4. Oui. Il faudrait que vous connaissiez vos propres limites un peu. Vous savez pas, fine lame, un magicien puissant, vous finiriez en chair à pâté sous le soleil de midi. Si vous ne faites pas attention, partez ou vous décidez de creuser votre tombe en avance. Il n'y a aucune envie de la partager avec vous. Bah du coup, évite de partir dans la forêt dans ce cas-là. Putain, mais les gens qui nous parlent mal, j'ai envie de les frapper, mais... Et le truc, c'est que... J'aurai bientôt besoin de repos. J'aurai bientôt besoin de repos. Ah bon? Paladin, il est fatigué. Ah, il y a de la fatigue aussi? Oui, il y a des scènes de repos. C'est ah bah non, on peut direct aller à Bras Amical. Alors attendez, je vais juste faire une sauvegarde. Et... Je suis désolé, mais on va aller voir... On va aller dans la forêt, là. On va aller juste à droite, regarder si les monstres, ce qu'ils nous disent. Je vais m'endormir debout, si je me repose pas bien, j'ai besoin de dormir. Faut qu'on est fatigué. Je crois qu'on est tous épuisés, là. Oui. Ils sont où, les monstres? J'sais Faut pas. Crier. Non, ça marche pas. Bah non, là, c'est pour partir. On nous a menti, il n'y avait pas de monstre, en fait. C'est quoi ce... C'était dans la forêt, les monstres, non? Ah, il venait de la droite et il avait l'air de fuir. Vous voulez qu'on aille voir visiter dans la forêt à gauche? Bah, on peut, hein. Merde. Perso, on veut plus avancer. C'est parce qu'il est fatigué, peut-être? Non, je sais pas, c'est juste qu'il était dissident. Là, ah ouais. Des monstres! Quoi? C'est un loup. Mais bon. C'est bon. Aou! Oh, il est récent ce loup. Il m'a touché, il m'a enlevé 5 PV. Bien sûr. Et que ça aille vite. Après, c'est peut-être parce que je suis fatigué du coup. Défends-moi bien. Il avait peur de ça?
Bah, on dirait bien, ouais. À moins que ce soit clairement au sud-est. Bon, normalement, là, si on se déplace, on arrive à Bras Amical. Ouais. Auberge de Bras Amical, heure de voyage 8. Je peux pas faire, c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi non plus. Là, si c'est à moi. Wow. Oh. La belle cinématique. C'est les années 90. Quoi, c'est tout? Ok. T'attends. En fait, c'était un chargement déguisé. Parce que il y a l'icône repos là, ça fait quoi? On fait un feu de camp ou quoi? Ou la map aussitôt dit, aussitôt. Parce que là, si on se fait attaquer, on va se faire bouillave. Où est-ce que tu vois l'icône repos? Tout en... C'est l'icône tout en bas à gauche, au-dessus de l'horloge qui tourne là. Tu sais que tes inventaires, c'est tout en... l'icône tout en bas, l'espace d'œil fermé là. Ah, vous devez avoir la permission du chef pour mettre le groupe en mode repos. Est-ce qu'on fait un mode repos ici? Je sais pas. Au pire, on se mettrait. Ouais, ouais, ah. C'est bien. Wow, cinématique. Attention. On risque de se faire embusquer vu qu'on fait un repos au milieu de pas. Tu crois qu'on aura un malus au réveil? Non, normalement, ça nous sert même à. Voilà, on a été guéri, on a récupéré. Imposition des mains paladins. On a récupéré nos sorts normalement aussi. Non ouais, on a récupéré nos sorts. Donc j'ai le droit. L'arcin. L'arcin, c'est pour vous faire les poches? Oui, je crois. Quoi? Aussitôt dit. Est-ce que c'est vraiment. Ah, j'étais juste là. En fait. Oui, déjà. Est-ce que c'est vraiment utile de faire des poches de des membres de ton groupe? Oh, je sais pas. On sait jamais, hein. Ça peut valoir le coup. C'est genre. C'est relevant. Genre si on loot un item que tu veux pas qu'on veut pas te donner pendant la nuit. Alors, hop, ah oui. Tiens, tu vas voir si tu peux me donner mon épée. On demande notre chemin pour savoir où elle est l'auberge. Lui il a une gueule à savoir où est-ce qu'elle est l'auberge. On va demander à la vache. T'es aussi. Est-ce que je peux voler la vache? Vas-y, essaye. Et qu'il aura une vache dans son inventaire. Attends, je vais essayer. En fait non, on va le voir chevaucher la vache directement. Je crois que c'est là l'auberge, non? Oh, attendez. C'est l'écurie ça, non? Je sais pas, je vais aller voir dedans. Je sais pas, le mec il arrête pas de bouger. Arrête de bouger. Un gaspillage de talent. C'est un roturier. Avant j'étais un bandit, puis j'ai pris une flèche d'enfer. Ouais non, les gens rentrent dans la maison d'un clochard en fait. Ouais mais c'est un bandit quand même. C'est de la racaille. La racaille. Comment on sort de chez lui? Putain, il a une baignoire le mec. Oh il a une baignoire. Attends, un nain qui va prendre un bain. Bien sûr. Y'a plus personne dehors, tout le monde a disparu. Ah si, il a écrit. Salut, roturière. Oui. Mais personne ne veut me parler. Ah, si, jour. Les villageois de l'auberge Bras Amical parlent de bandits qui rôdent dans les routes dangereuses. Et parle-nous. Je sais pas. Bitch. C'est quoi? C'est une église? Ouais, c'est une église ça. Il y a une croix. Ah, je peux vraiment voler une vache. On va attendre. Attends la nuit pour faire ça. L'OST est très sympa. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Entre une poignée d'argent honnête. Ah, t'es rentré dans l'église. Oui, oui. Je crois que le. Ah. Salut, camarade, c'est la première fois. Ouais, si. Ah, bah, j'ai trouvé l'auberge. Ouais, c'est ça, c'est l'auberge, c'est là, c'est le pont-levis en fait, c'est le château. Peut-être la personne que je dois rencontrer, je vais vous conduire auprès de vos amis, mais avant, je dois m'assurer que vous êtes bien la bonne personne. Vous vous appelez Paladin? Bah non. Moi, officiellement, je suis pas Paladin. Mais bon, vu qu'on a dit qu'on était tous schizophrènes, oui. Parfait, vous êtes en effet la personne. Juste un instant. Ouais, pas sûr. À l'aide! Il va me transformer! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais... Non.
Ouais, je peux l'attaquer. Attends, c'est quoi la quête qu'on a eue? Une tentative d'assassinat, je crois, un truc comme ça. Ah, essaie de nous assassiner. Ah, ok, c'est un mec qui il cherchait pas la dinde et essaie de nous assassiner. Une autre tentative d'assassinat à quelqu'un d'autre que je ne connais pas a tenté de me tuer aujourd'hui à l'auberge Bras Amical. Qui peut donc bien envoyer ses assassins à mes trousses? Okay. On l'attaque? Bah on le bouillave là. Vous pensez qu'il faut le tuer? Ah bah attends, il nous attaque là, c'est légitime défense. Hein. En plus ils sont 4. Ouais. Vous êtes prêts? Non, les trousses tout seuls, c'est des images miroirs les autres. Oui, bah, regarde. T'as fait une AO qui m'a fait fuir, je crois, non? Ah mais c'est pas moi, c'est lui. Ah bon, c'est... Ah, je vais mourir! Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis full désorienté. On peut rien faire? Mais on peut rien faire? Au secours! Ah non! Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, on est fier. Et pendant combien de temps? Bah un peu trop longtemps là. Il y a des gardes qui essayent de s'en occuper mais... Putain, Yorxilena est morte. Mais tout le monde s'est éparpillé aux quatre coins. Il y en a qui est sorti, regardez. Il est sorti de la ville, il est en train de se casser. Ah ça y est, les gardes, aidez-nous. On peut ressortir, on peut rejouer, ça y est. Il est où, Paladin? Faut qu'on se regroupe. Et que ça aille vite. Oh, on l'a eu. Attends, mais... Oui, bien sûr. C'est quoi cette connerie? Et on fait quoi de notre pote, là? Il est mort? C'est fini? Bah, Ursula, elle est morte. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible, on peut la raise. Je croyais qu'on était en mode où les personnages ne mourraient pas définitivement. Oui. Attends, on va aller voir l'église. Attends, elle est là. Il y a son loot là. On va aller voir à l'église. Quoi? Bien sûr. Et que ça aille vite. Hein? Bien sûr. C'est elle là? Or qui brille, guidera vos yeux l'or. De quel remède disposez-vous? Saisir la donation. Sauvegarde avant de payer. Donner, acheter et vendre. Soins. Soins des blessures légères. Délivrance d'un... Rappel à la vie. Ah, vous pas? Pourquoi on peut pas? Oui. Ah si, rappel à la vie. Fallait que je te sélectionne toi. Bah ça va coûter 100. C'est bon, c'est revenu. Pas grave, ça vaut le coup. Ah oui, c'est bon. Bon, ça va alors. On va faire des soins des blessures aussi ou on dormira à l'auberge? Quoi? Faudrait regarder le prix de l'auberge et regarder le prix des... C'est vrai. C'est vrai. Bon, déjà on a raise. C'est déjà bien, non? C'est déjà pas mal. Alors du coup, vas-y, ça coûte combien si tu veux faire les blessures? Enfin, les soins? Alors c'est 50 pour un soin des blessures légères et 100 pour un soin des blessures graves. Ok, ah, donc allons voir la taverne. T'as récupéré tout ton stuff automatiquement ou... Non, j'ai dû le chercher. Ok. Bon, déjà on sait qu'on peut reste dans une... Mais il était violent ce mob, on pouvait vraiment pas compter. En fait... Ah bah... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah. En fait, là où c'était violent, c'était surtout le fait qu'on soit fier en boucle pendant quasiment une minute, là. Vous l'avez loot, le Bob? Il y avait rien à loot. Ouais, il y avait rien, ouais. Okay. Ah, c'est bon. Vraiment... Ok. Ah, désolé, on vit dans un château, donc on a besoin de travailler. Ok, faut parler à Nessie, je crois. J'espère que nos locaux vous Bienvenue plaisent. À l'auberge. Mon voyage semble difficile, cet endroit est une véritable forteresse. Bah oui. Bentley a oublié Christopher, je savais. Ah, vous êtes. Il y a aussi les assassins. C'est vrai qu'on s'est fait attaquer devant un château quand même. C'est censé être un endroit bien gardé. Les gardes ont essayé de nous aider à la fin. Ouais. Il doit avoir un nombre d'histoires à raconter, cet endroit n'est pas. Ok, mais comment on dort? On veut dormir. Peut-être parler. Peut-être leur parler pour le bar. Je vais aller voir à l'étage, moi.
Ça doit être lui, ça doit être lui. Bentley, ombre noire. Bien sûr. Mes affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Ok. Ok. Alors, paysan, ça coûte 1. Dormir dans cette chambre n'offre toutefois qu'un toit. Bénéfices du repos seront sans doute minimes. P pour ce genre d'argent. Le voyageur économe fait toujours plaisir. Une telle chambre simple et confortable, un matelas solide, des draps propres, devrait représenter un sou du lit. Mais un site mollesse ni un réveil tardif. Ok, sinon pour 5. Les chambres d'excellente qualité, prix raisonnable et un voyage abusé, dormi sous belle étoile, trouvera luxueuse. Seules les pierres d'Andy y trouvera à redire. Et sinon pour 8. Un luxe exorbitant, un matelas, un duvet, un drapé, de soins, une chenille. Pour Calichon. 8 pièces d'or ? C'est ça ? Ouais. Ça va, c'est pas si cher que ça. On loue la suite royale alors ? Bah. Ouais, il faut se régène là. Ouais, vaut mieux là. On a deux personnages à l'article de la mort. J'ai l'impression que je commande toutes les chambres là, non ? Bon. Loué. Ça vous l'a compté ? Ouais, c'est ouais. Que moi qui ah, mais cinématique. Cinématique là, ouais. Un petit feu animé. De qualité en réalité. Oh putain, le vieux régène qu'on a eu. Ouais. Ah oui, c'est pas ouf. Hein. Est-ce qu'on aurait dû faire en fait ? On aurait dû claquer nos sorts de soins avant, ouais. Ouais. On fait quoi, on recommence? Attends, je claque un sort de soin d'abord. Est-ce que sur le paladin, moi j'ai des sorts de soin? Ah, il vend des trucs encore. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà. J'ai claqué mon sort de soin, j'en ai pas d'autres. On reprend une royale du coup? Bah ouais, vas-y. Les sacs, bon, je vais passer la cinématique, hein, c'est tout. C'est bon, on est full vie. Yes. Quel... c'est vraiment la merde, c'est tellement dur. Je veux juste racheter des billes pour. On va dire que ça a l'air d'être différent du 3 de ce que j'ai vu pour l'instant. On prend beaucoup plus cher. Ah, il parle en anglais. Oui, il va un pichet. Il est foutu. Apportez-moi un pichet de bière. Ah, moi je veux bien y apporter un pichet de bière, hein, mais assez frais. Quelle brutalité. Non, on va le faire, non? On lui achète une bière. Ouais, mais moi je suis chaotique neutre. Mais c'est quoi ça? C'est un mec qui nous donne une quête quand même. Il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Je vais pas lui parler, moi. Je lui donne pas d'ordre. Il a dit un pichet de bière, mais il a pas dit laquelle. Prends-la moi, attends, tu veux que je leur demande? Elles sont toutes à 1. Ah, il y a Noir Amer, Elminster ou Ombre Noire? Ombre Noire, allez. Au pire, j'en ai juste une de chaque. Vous avez entendu parler de la foire estivale? Ah, mais attends, merde, je crois que j'ai bu en fait. Je suis pas sûr. Bien sûr. Oh, mais putain. Ah, le mec, il l'a vu, ça vient. Ouais, non, j'ai pas. En fait, j'ai bu les bières. Oh merde! Ça y est, il va avoir un malus aux dégâts. Il est beurré. Je sais pas si on peut lui ramener. Attends, fais voir. Elle dit quoi la quête? Écoutez, attends, je m'en ai un. Si vous continuez à me harceler, je vous brise le cou à main nue. Partez maintenant. Oh merde! Je crois qu'il a pas aimé que tu picoles sa bière. Événement important. Bah non, y a pas de quête en fait. Il y a un festival, ouais. Attends, à l'auberge Bramican, un demi-orc menaçant m'a pris pour un serveur. J'avais envie de lui expliquer, il pourrait se mettre sa dent. Je préférais m'abstenir cependant, il a l'air d'être un combattant capable. Si je revenais un jour, de meilleurs conseils. Ah, ok, c'est un PNJ en fait. Ok. Bon, là, nous, il faut qu'on rencontre Kalig et Jaira. Alors, paladin, roturier. Roturier. Tu t'appelles comment toi? Roturière. Nessie. Roturière. Je vais aller voir. Arrête de bouger! Oh, les PNJ, quand ils bougent, on peut pas regarder leur pseudo. Ils sont là! C'est les deux qui sont à l'écart près des fauteuils. Ah ouais. Y'a pas une touche pour regarder les pseudos de tout le monde, ça? Toi, Tab, non? Ah, Tab! Ah ouais, c'est Tab. Bien vu. Bah, du coup, parlez alors, c'est bon. Moi, je suis prêt. Vas-y. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là. Oui. Vous auriez pu m'aider quand même. En fait, il est mort.
C'est bien, s'ils ont l'air d'être conscients de ce qui s'est passé. Ah mince, oh. Il est mort ? Oh, quel sacrifice de pute. Là, ils veulent tous venir avec nous. On peut pas leur autoriser de venir, on a pas de place. Bah ouais, surtout que... Bon, le mec, il a fini, là. Du coup, apparemment, il faut aller voyager vers Nashkel. Compagnon. Comme je n'ai rien d'autre à faire et quelques compagnons, je devrais consacrer un peu de temps à l'enquête sur la pénurie de fer dans la région. Ma prochaine étape devrait être la ville de Nashkel au sud. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai besoin d'une bière. Oula. Bon, on voyage de nuit, c'est pas grave. Il fait nuit, tu peux voler la vache. Ah oui. Attends, elle est où? Alors, elle est là. Maintenant qu'il fait nuit, là, il y a un coffre. Tu peux pas faire quelque chose toi avec le coffre? Oh putain, oui, c'est vrai. Fais gaffe parce qu'il y a encore des gens. Il y a un garde qui te regarde en train de mettre des doigts à la vache. Mais c'est pas, ça n'a pas marché. C'est comment le mode furtif? Il y a que toi qui as accès, Nathan? Oui, moi j'ai le mode furtif. Parce que normalement, ça décèle les pièges et les trucs cachés. Tu veux que j'ai... Il y a un piège quelque part? Non, mais là, il y a un coffre. Et ça m'intrigue de savoir si... Ça? Juste là, dans juste là. Ouais, je peux pas cliquer dessus. Que c'est juste du décor. Dommage. Bon, du coup, direction sud. On voyage de nuit. Bah, ouais. De toute façon, même de jour, on se fait agresser par des gens, donc... Oui, c'est vrai. Que je pense avec Manen de mettre en mode défensif. Ouais. Ah, on peut pas. Ah non, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Ah, si, c'est à moi. On va où? Je crois que c'est Beregost. Non. Ah non, il a dit Nashkel. C'est Nashkel qu'ils ont dit. C'est faut où trouver... Nashkel au sud. Dans tous les cas, il faut sûrement aller dans la map. Ah, Beregost. Peut-être. Je sais que ça disait faut aller à Nashkel au sud. C'est bon. Dorfer, J. Nashkel. Bien sûr. Nashkel au sud. Ah, comme ça il fait jour avec leur voyage. Moi j'ai pas de mode défensif ou offensif, même avec mon paladin. Moi c'est avec. Moi il a vraiment. Il a vraiment. Ah si. Ah non, je peux défendre, protéger moi. Mais c'est ce que j'ai le bouclier, ouais. Je peux protéger quelqu'un, mais pour l'instant je sais pas si c'est vraiment. Bah, je suppose qu'il faut passer par Beregost et après on va pouvoir aller à Nashkel. C'est ce qui semble le plus logique, ouais. De toute façon, ils sont dit au sud, donc on va descendre. Hein. Oula! Ils sont quelques-uns. On focus alors. Lequel? Quoi? Bon, n'importe, ceux-là on les défonçait rapidement. Ouais. Moi je veux juste en profiter, okay. J'ai envie d'essayer quand même. Et que ça aille vite. Mon familier. Ah grou-grou! Oh merde! Et moi mon famille? Oui. J'ai pas de famille? Aussi ah y'a du loot hein! Ouais, là y'a quoi? Des pièces d'or. Vapeur colorée, ça a l'air d'être un sort. T'as mon voleur qui prend l'argent. Plus facile à dire qu'à faire. Bon alors familier ça faisait rien, est-ce que j'asservis un mob ou quoi? Un gaspillage de talent. F1 familier, oui mais il fait quoi? Dites-moi. Je sais pas. Bah j'essaierai la prochaine fois qu'on rencontre un mob. Mais pour moi c'était vraiment... Non c'est un sort de conjuration donc c'est vraiment un sort d'invocation vraiment. Berry Ghost au sud. Il va pas avoir peur du loup-garou? Non il a pas l'air... Il a pas l'air motivé à avoir peur. Berry Ghost... Avertir le gouverneur de... C'est peut-être quelque chose de... D'habituel. Moi ça me semblait un peu agressif un loup-garou mais visiblement... Ouais là c'est une petite fille. Ouais. Attends on va aller lui parler. Eh, salut toi. T'es un garçon. Non je veux juste... Ah, j'appelle maman. Elle vous donnera des coups de ceinture. Quoi?
Dégage, mouflé. D'accord, je voulais pas te payer. Du calme, gamin, je ne suis pas méchant. Bande d'idiots, si mon ami Albert était là, il nous donnerait. Il vous retournerait. Oh, c'est dégueulasse. Merci. Bon, attends, on va l'agresser, le gamin, il est fou, lui. Allez, vas-y, go. Viens ici. Viens ici. Ah, il va. Jas semble savoir. Avoir à faire. Tiens. Il commence à pleuvoir. C'est de la pluie, la neige. Ah, mais là c'est là pour aller à Belle, machin. Eh, hey, y'a un mort. Ah, c'est le gamin. Y'a du loot. Y'a du loot. Oh, 7 gold. Et on peut pas enquêter sur les cadavres? Eh, si vous appuyez sur tab, on peut voir où on peut cliquer pour le looter. Ah oui. Ah oui, effectivement. C'est bon à savoir, ça. Ah, mais ce découpage. Et du coup, y'a des bandits quelque part ou... Moi, la vraie question que je me pose, c'est combien de temps je vais rester en loup-garou? Pas que ça me dérange. Bah, jusqu'à ce que tu rechanges, non? Bon, on va direct à Berigost, on explorera plus tard au pire. Vous pensez que c'est quoi le mieux? On continue d'explorer ou on va direct la quête? Je sais pas. Là, il pleut, donc ça peut être dangereux. J'en sais rien du tout. Mon armure, elle va rouiller. Non, par contre, le gamin, il était juste à côté, hein, comme chez nous. Ouais, je suis sûr que c'est le gamin. Il faisait diversion. C'est pour nous empêcher d'aller trop loin. Loup-garou, par contre, elle est goldée. Hein. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Berigost, heure de voyage, 4. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah bon? Ouais. Non, je peux rien cliquer, moi. Moi non plus. Vraiment? Ah ouais, vraiment. Oui. Ou alors c'est un de nos personnages secondaires. Attends, Merde. On a cassé le jeu. J'ai fait échapper, il y a eu un problème, ça a craché, je crois. Ouais, moi ça... Bah non, pourtant... Dans tab, une touche peut-être M, J... Ça fonctionne encore. Ouais, j'ai plus rien. Ouais, j'ai plus de menu. Juste ça. Entrée, 1, 2, 3... F1, F2... Non. J'ai juste le chat, moi, maintenant. Ah merde. Ouais, c'est pareil, j'ai juste le chat. On est bloqué? Le jeu, il est cassé. T'as pas d'autre action, toi, Mira, que le chat? Ah non, j'ai que le chat. Je peux même plus bouger la caméra. F1, F2, F3, F6... Moi non plus, je peux plus bouger la caméra. J'appuie sur toutes les touches. J'essaie d'appuyer sur toutes les touches, on verra bien. Oh, t'as fait une sauvegarde, j'imagine. Bah, il y a les sauvegardes rapides quand on change. Okay. Bah, ouais, je peux vraiment rien faire. J'ai le F4. Est-ce qu'on va même pas revenir ou quoi? Non, là, c'est bugué. Bon, ouais. Bah, on a le F4. Ah, voulez-vous vraiment quitter la partie? Bah, vous allez nous manquer, Bou. Bah, ouais, bah, j'aimerais bien avoir le choix. Attends, slash reload. Non, ça marche pas. Attends. Ah, moi j'ai lancé le jeu. C'est pas grave, ça arrive. Oui, tu sais, c'est un vieux jeu, hein, donc... Alors, je vais juste faire un truc, par contre. Il faudra juste faire qu'on aille doucement, quoi. Voilà, je cache juste le jeu le temps de rejoindre. Faut peut-être pas tous spammer le truc, hein, je sais pas. Donc, multijoueur. Je recrée... La partie chargée, et donc on a 12 jours et 21 heures. Ah, t'es déjà au jour 12. Ça. Ah, alors il y a une sauvegarde juste avant qu'on change de map. Est-ce que c'était. On va voir. Est-ce que ça a freeze au moment où qu'on a crash ou quoi? Ah, je sais pas. Enfin, est-ce que ça a sauvegardé au moment où qu'on a crash ou juste avant peut-être?
Ou est-ce que ça va se garder pendant le crash? Ce qui serait plus problématique déjà. Alors toi tu jouais, hop, Orthos. Et tu... En attente d'information du serveur. Ouais. Hop là. Hop. Et Nathan il jouait Urzaina et Gérard. C'est bon. Ah, faut que je remette les droits d'utiliser l'or et tout, engager les dialogues, mettre la partie en quoi. Peut-être que je vais pas vous donner entreprendre les voyages pour éviter que ça bug. Ah ouais. Oui, peut-être. Bonne idée. Je vous laisse engager les dialogues, mettre la partie en pause et tout. Je vous en laisse juste, vous pourrez pas entreprendre les voyages. Ce qui est pas plus mal en vrai. Vu que de toute façon, pour faire les voyages, il faut être groupé. Ouais. On est où là? À la map juste avant. Ah oui, c'est vrai. Et que ça aille vite. Bon bah c'est là que ça avait. Ah bah regardez, je ne suis plus le garou. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Là, on sait ce que le gamin nous veut. Voilà. Bien sûr. Auberge Bras Amical au nord. Ok, cool. Donc là, je suis 5 et 6. Oh, ok. Oui, quoi? Ah oui, c'est vrai que c'est selon. Ah non, je suis toujours pour les 5. Ah, oui. Ah oui, parce que ça doit être les personnages, j'ai pas l'ordre dans lequel vous êtes arrivé. Ouais. Après, je dois pouvoir changer l'ordre des personnages, je pense. Oh, c'est bien bon, sûr. On a commencé à s'habituer comme ça, ça va être perturbant après. Là, il y a des mobs. Alors attendez, parce que je suis encore. Là, bah, bientôt ici. Rappelle-toi, ah, tu m'as pas. Oui, okay. Oui, non, mais je pensais que tu disais à côté de toi. Je vais attendre que vous arriviez. C'est parce qu'on n'est pas encore là tous. Ah, du coup, je vais essayer de faire familier sur un des mobs. Celui qui est tout à gauche. Ils sont que deux ? Ah, c'est des autres. Ah, c'est pas les mêmes. Okay. Les rencontres sont aléatoires. Enfin, il y a des rencontres à des endroits fixes. Mais les trucs qu'on rencontre, c'est aléatoire. Okay. On doit peut-être pouvoir farmer les mobs. Oula ! Pas très gentil, ils sont. Ah, j'ai marché dans le truc, merde. Ah, mais ça fait sur vous aussi. Ah! Assaut derrière! Ah, je l'ai one shot? Ok. Ah, mais ça aussi, ça vous touche vous. Mais c'est de la merde si ça vous touche aussi. Il loupe à la dinde. Oh, le son! On est d'accord que le son il est bugué là? Ah, putain, au secours! A l'aide! Ça s'enlève tout seul. C'est normal, c'est un jet de. Oh, c'est moisi ce sort-là en fait. Oh, y'a du loot. J'ai ramassé tout le loot. Ah. On fera des échanges après. Ah, c'est regarderai. Ils avaient plein de trucs, hein. Ouais, mais. Ah, je suis trop lourd. C'est un peu chiant d'aller les looter quand y'a le truc qui nous bloque. Je suis trop lourd pour bouger. Ah, ça y est, le sort s'est désactivé. C'est quoi ça? Scalpe de bandit. Bon, on va acheter une armure de cuir, ça sert à rien, non? Voilà, j'ai acheté une armure de cuir. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai un personnage qui est toujours sous l'effet. Ouais, ah, c'est bon. Bon, du coup, je vais jeter des trucs avec paladin. On défonce le gamin ou pas là? Je jette des trucs avec paladin, récupérez-les, ça évite de gâcher. Bon, on peut les vendre. Ouais, mais comme moi je suis presque full. Exactement. Ouais, moi j'ai de l'espace. Sol. Y'en a un de vous qui utilise un arc sinon? Parce que j'ai plein de flèches aussi. Non. Non. Ok. Bien sûr. Je jette des épées aussi. Voilà. Je vais tout prendre. Pour l'instant. T'es pas full? Oui. Non. Regardez, il y a le gamin là. Il me reste encore 2, 4, 6, 8, 10 emplacements. Aussitôt dit, aussitôt fait. Attends, si on lui parle pas et qu'on va voir directement les. Là, ça va débloquer un nouveau dialogue pris en flag. Et 7 gold. Donc, bah, on lui parle pas. Tu veux que je le vole? Vas-y. Vas-y, essaye. Attends, mais il y a un mec à côté. Faudrait plutôt faire partir le mec avant. Et après, essayer de voler le gamin. Salut toi! Il dit rien. Voilà. Ah, mais il partait quand on lui parlait. Je vais juste faire une sauvegarde.
La cible ne tient aucun objet qu'un pickpocket peut dérober. Ça veut dire essayer de buter le gamin. On va être méchant après. Quoi ? Je sais pas, on le fait ou pas ? Bien sûr. Vous avez l'air drôle. Il nous traite de menteur. Moi, je dis ça mérite la peine de mort. Hein. Ouais. T'en mets la pause. C'est bon, moi, je suis déjà en train de le tabasser. Moi aussi. La réputation du groupe a diminué de 5. Ah merde. Attends, il avait quoi, ça valait le coup ? Il avait un gold. Mais 5 de réputation, c'est beaucoup. Bon, pas grave, hein. Paladin, le loyal bon qui a tué un enfant. Ouais, il avait l'air suspect quand même. Il nous a manqué de respect. Bonjour. Si, si, il nous a manqué de respect au bûcher. Vous avez pas vu mon enfant ? Je cherche Jazz, mon enfant, vous l'auriez pas vu ? Alors, certainement, j'apprécierais beaucoup que vous m'indiquiez l'auberge à Dora. J'ai envie de luxe, quel est le meilleur auberge de la ville ? Il me faut une armure, des armes de grande qualité. Avez-vous une bonne forge ? Un endroit où s'asseoir et noyer ses soucis. Vous m'avez dit quoi ? Oh là là ! On va voir pour s'asseoir. On demande quoi, la forge ? Pour regarder si on peut avoir de meilleures armes et armures ? Ouais, on a de l'argent. On a un gold, donc, en plus. Eh, c'est trop, c'est le gold qui nous manque pour acheter un item. Ah, de tout le royaume, ils ont meilleure forge. 10 gronds de marteau. Qui tient la forge gronds de marteau à l'est de la ville. Il a également quelques objets remarquables, mais vous pouvez aussi essayer à l'auberge, machin, ils vendent des trophées, mais attention, ce n'est pas donné. C'est à l'ouest, tout près. Okay. Donc on va à l'est, plus à l'ouest. Ok. Merci bien, frérot. Comme ça, en même temps, on pourra lui vendre nos merdes. Ah mais c'est moi ça. Tiens, elle parle pas en français cette fois. Non, ouais, ils parlent pas tous en français, j'ai l'impression. Elle demande de l'aide. Gardez votre distance, femme. Ce sont des bandits, mages et vicieux. Et ils doivent avoir suivi une formation supérieure en banditisme, quoi. Quelque chose de ça. Très bien, je vous protégerai contre ces bandits. Vas-y, hein, t'es un paladin après tout. Ouais. Oh. Maintenant, dites-moi où se cache le reste de vos hommes. Bah, ils sont là. Tu les vois pas. Je te rappelle que nous, on n'existe pas en réalité. Ah, oh merde, les voilà. Ça va, il y a la formation automatique comme ça, on se rapproche. Mais c'est pas elle qui est en première ligne, là ? Si. Oula. Si. En fait, ça se trouve, on est en train d'aider une fugitive là. C'est possible. Pense à notre réputation, on a déjà tué un gamin de chez eux. Oui, faut augmenter notre réputation maintenant. On a tué un gamin, faut qu'on enfin, on l'a tué, je suis désolé, mais je suis pas sûr qu'un coup d'épée fait exploser un enfant comme ça. Vous là, mettez-vous sur le côté. Donnez-moi. Pouvez-vous offrir pour changer ça? Emmenez-la, je m'en fiche. Je ne vous laisserai jamais aller faire du mal. De quel droit vous êtes cette femme? Demandera de mage rouge de thé. Nous devions étudier ses pouvoirs anormaux. Qu'elle nous suive de son plein gré ou non. Ouais, pour quel pouvoir anormaux prenez-vous? Laissez-moi deviner. Par étudier, vous dites 10. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est un kidnapping ouvertement là, vas-y. Retirez-vous avant que je vérifie si vous êtes rouge à l'intérieur. J'aime bien le numéro 3. Si vous voulez mourir pour cet anthropiste. Allez-vous-en, raclure prétentieuse. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est fait zebel encore. Attends, mais elle l'a déphasé. Vas-y. De ouf, non ? Elle a vraiment besoin de notre aide ? On focus qui ? Le mage ? Ouais. Bah ouais. Moi, avec la mage, je vais juste focus un des deux gardes. Ah, mais non ! On a ça, il s'est focus ! Essaye de le retirer. Attends. T'as encore une potion ou pas?
Aussitôt dit, aussitôt fait. Sinon, bois ta potion vite fait. Ouais, j'ai pas de potion. Attends, je peux te lancer un sort de soin normalement. Ok. Mais il va y avoir un temps de cast. Oh putain. Oh, ah. J'ai mis protégé sur toi, mais ça a pas l'air de marcher. Si ça marche. Ouais. Il est où la dame? Il faut que je fasse soigner mes blessures. Trop ouais, paladin. Oui, aussitôt dit. Ah, c'est lui en rouge là. Ok. Mais je tape quoi là? Non. Ah ouais, l'autre il était pas mort par terre. Ah, ils sont juste endormis. Par contre, je me suis senti un peu souillé sur un détail. J'ai utilisé ma transformation en loup-garou et ça s'est pas transformé. Je suis vraiment désolé. Since you were kind enough to save me from those wizardly thugs, I was wondering if I could stay with you for a while. For your protection as well as mine. I swear. Il y a encore un mec qui veut venir, enfin une gonzesse qui veut venir dans mon équipe. I was all worked up to go on an adventure and now you've left me to die in the wilderness. I guess I'll head back to the friendly arm inn. Tiens, mais on est obligé de vous refuser, on est des. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils font exprès de nous faire culpabiliser en mode ouais, vous êtes des méchants. Mais on n'a pas gagné d'honneur. On a sauvé quelqu'un. Ça rattrape au moins un enfant tué, non? Il y a une épée longue si jamais. Ramasse, on va tout vendre. Ouais. On est des gros clochards. Et là, on peut interagir avec le tonneau. Ouais, non, c'est du vol. Sûrement. Ah! C'est très certainement c'est du vol. Moi j'ai un voleur mais bon. Tu veux qu'on essaye? Mais je pense que ça va être du vol. Sauvegarde avant. Alors attends. Sauvegarder la partie. Sauvegarder, remplacer. Quoi? Voilà. Essaye. Vas-y petit voleur. Mais je pense que c'est du vol. Hein. Je vais aller voir la caisse là-haut aussi. Ouais, y'a rien à l'intérieur. Ah. Là y'a rien non plus. Ok. Aussitôt dit. Vous pensez que c'est ça la forge? Ça ressemble pas à une forge. Hein. Non mais ah, on peut toujours aller voir hein. Fermé, là, y a... poule. Roturière. C'est verrouillé, on peut pas rentrer. Ah. Y'a peut-être une forge plus loin. Là y'a un feu, des caisses, un entrepôt. Et y'a des coffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a soigné. T'as claqué une impôt des mains pour soigner Ursulina. Dans, les coffres, dans les coffres y'a des trucs. Ah mais ça se fait tout seul, j'ai rien fait. Bon, apparemment on peut looter. Ah, je pense pas que c'est du vol en fait. Quand les trucs sont bleus, c'est pas du vol. Quand les trucs sont rouges, ça doit être du vol. Il doit y avoir un système comme ça, je pense. Comme dans. Ah, tu vas voir le sac de blé là-haut. Ouais. Vous parlez à la poule. Salut la poule. La poule elle s'est arrêtée pour me parler. Je peux pas la voler la poule. Arrête de vouloir tout voler. Voilà la tire échec. Comment ça échec? Oh merde. Est-ce qu'on voit la poule à l'héros? Qu'est-ce que elle m'en veut, regarde. Tu fais pas, elle fuit. Elle attaque quelqu'un. Elle attaque quelqu'un. Mais fuis. Et si tu tues. C'est bon. Tu tues, elle s'est pris un coup de bec par une poule, elle a perdu un PV. Putain, oui. Ah, la forge doit être là, il y a la fumée. Oui. En fait, je vous entends après. Ah bah oui, bah c'est ça. Hein. Allez, run. Il y a encore un tonneau à loot là. Deux pièces d'or. Ah, ah oui, il y a un truc violet. Il y a un truc là où on peut ouvrir. Oui, c'est la porte. C'est sûrement la porte de la. Ah non, c'est peut-être pas la forge, c'est une cheminée. Bon, on va aller voir. Les forges, c'est rarement en intérieur. Si. Je sais pas. Bien sûr. Non, c'est qui toi? Ça sent pas une forge. Myriane. Bien sûr. Fais, pourquoi il court partout? Calme-toi. Ok, il est parti se cacher. Ouais, j'arrive pas à la loquer. Attends, il y a... Salutations. Oh, Marie. Ouais. Alors, attendez, j'ai de Myriam. Bon, bah, on a eu une quête. J'ai trouvé un livre en haut. Bon, je retourne, je ressors pour chercher la forge.
Il y a un truc, une sorte de commode verrouillée à l'étage. Est-ce que tu penses que tu peux la projeter? Moi, je peux projeter, moi. Bah, viens à l'étage, alors. Tu vas trouver ton bonheur. Des trucs, hein, comme des crades. Oui. Allez-y, moi, je vais pas partir de cette équipe. Donc. C'est juste à gauche, là. Non, non, là. Dans ce... Attends, lequel? Quoi? Je suis à droite. Bien sûr. Dans ce qu'en fait, mes personnages ne veulent pas se déplacer. Un gaspillage de talent. Hop, dans cette pièce-là. Ah, ok. Attends. Juste là. Hein? Sûrement. Verrouillé. Oui. Mais j'ai pas de... Aussitôt dit, aussitôt fait. Quoi? Bien sûr. Comment on fait, attends. Je sais pas, tu dois avoir un sort quelque part pour le faire. Un gaspillage de talent. Ça, j'ai serrure ratée. Ok, j'ai trouvé la forge. Elle est là. La forge de gronde marteau. J'arrête pas de rater. Au secours. On va aller en prison. Ah non, tant qu'il se fait pas choper, complètement. Putain, mais... Crustal de serrure ratée. Mais pourquoi je rate tout le temps? En tout cas, ça a l'air d'être un bon jeu hardcore des années 90, c'est cool. C'est vrai. Alors dedans, je vais regarder si je peux faire l'impôt des mains moi-même. En fait, il y a un mini-jeu, je sais pas. Ah, je peux faire détection du mal, protection contre le mal. Ouais, c'est quand même sûr. J'arrive pas à déverrouiller. Alors, si jamais l'étoile tout à droite de votre barre, elle est allumée ou pas? F12, capacité spéciale. Moi, j'ai ça. Oui, c'est ce qui me permet de tout transformer en loup-garou. Et que ça aille vite. Ok. Pose de piège, arme empoisonnée. J'étais en train de regarder, on a gagné 195 points d'expérience, il nous en faut 2000 pour level up. Ah. Après, en vrai, c'est un peu normal, c'est un D&D. Vous êtes parti où? On est juste en dessous. Tu contournes par la gauche, là. Ok. Et après, on arrive à la forge. Ah oui, ok, je vois. Oui. Mais du coup, l'impôt des mains, ça se fait automatiquement. Est-ce que je peux lire ça peut-être quelque part? Bon, je verrai ça à la fin. Quoi? Aussitôt dit, et que ça aille vite. Bien sûr. Salut, forgeron, forgeron. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bah c'est là, s'il y a plusieurs forgerons, on va peut-être pouvoir acheter. Ouais, non, mais c'est Aérine Machin, le meilleur forgeron de l'Ouest. Plus fort. Salut, l'ami. C'est lui, là. Pourquoi puis-je vous aider? Pouvez-vous me montrer ce que vous avez à vendre? Oui. Je peux faire tout ce que vous voulez. Ah, il vend une. Peu plus que les ouais, aussi, laisse-moi parler. Tais-toi! Pour un tout petit peu plus que les autres. Eh, hey, les scalpes de bandits, ça vaut 25. Faut trouver où est-ce qu'on les vend. Voilà, j'ai trouvé. Oui, c'est cher. Ah oui, il y a des trucs. Oh putain, je vois. Mais les trucs plus 1, ça vaut cher. Par exemple, là, la fronde plus 1. 165. Le bâton plus 1, 800, ok. Épée longue plus 1, 2062. Mais regarde, tout en bas, les trucs simples. Alors c'est marrant, c'est les trucs qu'on lui revend, on peut lui racheter plus tard. Ok. Non, j'achèterais bien une petite armure de l'ombre, là. On peut identifier des choses, ok. Ah, mais ok. Ok, bon bah. Ça a l'air de coûter cher là pour notre. Ouais. Quoi? On va rien acheter finalement, je pense. Hein. Vous avez besoin de quelque chose, vous ou pas? Je peux faire tout ce que vous voulez. Bah là, honnêtement, vu les tarifs, non. Plus que les autres. Je suis plus en train de vendre ce que j'ai surtout. Je peux faire tout ce que vous voulez. Pareil. Et que ça arrive vite. Un tout petit peu plus que les autres. Alors par contre, j'ai une histoire des élus de Mystra dans mon inventaire. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être la lire. Là, tu peux l'identifier ou pas? Oui, il y a un truc identifié.
Non, mais c'est sûrement un bouquin de l'or. C'est un bouquin de l'or, mais franchement... Les Elder Scrolls. Je sais pas quoi en foutre, moi, de ce bouquin. Je l'ai volé dans la... Hein ? Je peux le porter. En fait, j'aurais bien voulu le vendre, mais on peut pas. Bon, bah... On peut rien acheter. Et identifier, on peut pas faire. Bon, bah, au moins, on a vendu nos mertes. Et on a vu que on n'est pas obligé de rester des clochards toute notre vie. Aussitôt dit, aussitôt fait. La gerbe rouge. Ok, ça doit être une auberge, ça. Donc là, on il faut qu'on aille voir, tout à l'ouest, c'est ça. Ouais. Fallait qu'on aille voir. C'était l'auberge, je sais plus. Je crois. T'as récupéré ton sort de soin ou pas? Mais c'est pas moi qui le. Ah, pardon, peut-être. Là, je parle. Attends, je regarde ça. Moi, le truc, c'est que mon sort de soin, je sais vraiment pas comment il fonctionne, l'impôt des mains. Non, il est pas dispo. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'était quand on bougeait pas, il s'est lancé tout seul en fait, mon impôt des mains. Je suis en fait très timide. Apparemment, le monsieur est très timide. Une roturière. On peut. Ah, il y a un truc là. Il y a rien. Ok. Faut trouver si c'est en haut ou en bas maintenant. Je pense que si le jeu continue comme ça, il doit y avoir un panneau devant la baraque qui dit. Le magicien ardent, ça doit être une taverne aussi, je suppose, en tout cas. Auberge de Feldpost. Elle est là. Ah oui, en effet. On se prend une petite nuit ou pas? J'arrive pas à rentrer. Je vais zoomer pour trouver le pixel pour rentrer. Ah non, je peux pas rentrer, tout simplement. Ah, fallait qu'on se trouve là. Votre présence ne me plaît guère. Qui, moi? On est arrivé? On est à peine arrivé, on se fait déjà agresser, quoi. Ah, bah. On va déjà créer une baston dans la taverne. Bien sûr. Ok, pourquoi ils nous veulent pas? C'est à moi que vous parlez? C'est à moi que vous parlez? Un mot de pur, c'est la chaîne. N'hésitez pas. En vrai, j'ai pas envie de faire la raclée, donc on va dire je regrette, je ne veux pas de problème. En vrai, c'est sûrement un personnage jouable, encore une fois. Mais pas besoin de s'énerver, on va dire. Qui m'énerve. Réponse 3, moi je dirais. Faut lui casser la gueule. En vrai, il a pas tort, on a résolu plus de problèmes que ce qu'on a causé pour l'instant. On a causé aucun problème. Quoi? Comment ça, un enfant qui a explosé? Vous avez pas de preuves? Oh, tu calmes, nous n'en avons pas, je paye une tournée à tout le monde, d'accord? Non. Non, non. Non, non. Il a fermé sa gueule. Mais on a pas, le bouillave. J'ai pas envie de le tuer en vrai. On va perdre de l'honneur. Ou alors on se dit qu'on est des sales races du début à la fin, mais. Allez, ouais. Pourtant, c'est lui qui nous provoque là. Au pire, fait la réponse 3, c'est peut-être le plus neutre possible. Ouais, c'est ce que. T'es un brave garçon. Écoutez, je regrette pour votre fils, c'est pour tout, j'ai rien à voir avec tout ça, je veux simplement partir en paix. Enfin, si c'est comme ça que vous conduisez avec. C'est un merde. Et là, il va nous dire oh, mon fils, mon pauvre petit Jail. Alors, c'est marrant. Bon, j'ai une bonne nouvelle. On sait où il est. On sait où il est. Enfin, la plupart des morceaux.
Tu lui donnes la pièce. C'est là tu lui donnes, tu montes ton épée. Regarde, il reste encore un petit morceau de gras là. Ah non, on doit se battre. Bon bah. C'est à moi que vous parlez. C'est à moi que vous parlez. Qui a pris Byzance là? Ah, ça a deux barres de vie. Ah, ça doit être elle. Deux barres de vie, mais il te reste quand même. C'est lui qui a commencé. Bah, il y a de l'argent. Oui, c'est lui qui... Bon, bah, on a gagné de l'XP et apparemment on n'a pas perdu de. Ok, bon bah ça va. Tout le monde s'en fout visiblement. On va aller voir Duncan, il le défendait tout à l'heure. Fumier d'assassin, le point enflammé ne vous rattrape pas. Bon bah on le bute aussi hein, du coup. Ah non, il nous attaque pas. Ah, il nous menace. Hey, ne cliquez pas sur moi, je ne veux pas d'ennui. Ah mais son doublage français dit qu'il veut pas d'ennui. Moi je vais à l'étage. Il est où l'aubergiste, le tavernier aussitôt. C'est lui, c'est le gros là fait. Serveur, non? Mais où le tenancier? Attends, je suis en train de fouiller un petit peu, allez. Roturière, Duncan. Il est à l'étage? Tu aurais compte foutre le tenancier à l'étage? À l'étage, il y a l'air d'avoir personne. Pour l'instant. Ah, vous êtes déjà rentré pour fouiller les baraques? Moi, ouais. Ah, il y a un gros là. Là, il y a un vadrouilleur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma chambre et je ne veux personne ici laisser mon père. Ok, ok, désolé. Il allait prendre son banc en plus. Si tu veux, ici, il y a un truc verrouillé là où je suis. Tu peux essayer d'ouvrir. Mais est-ce qu'il a le. J'arrive. Oh, 13 gold. Le truc de lockpick ou pas? Le quoi? Il a peut-être pas le truc pour lockpick? Si je peux. Voilà. Voilà. Ah, bah, dans la pièce d'à côté, c'est pareil. Hé, hey, hé, hey, hors de mon chemin! Espèce de vieux bûcheron desséché. Quoi? Il avait le gouré lui en fait. Attends. Ah je crois qu'elle est là la tenancière. Hé hey, hé hey, hors de mon chemin. Espèce de vieux bûcheron desséché. On dirait si la voix. On aurait dit la voix de Donald Renew. Je dois partir faire des courses. Bah va faire des courses. Ah. Elle va nous offrir à boire. Ça y est, elle est bourrée. Cuisto, serveur. Aussi quoi, c'est dit, le serveur alors fait. Hey, j'ai de la bonne bière pour qu'avez-vous vous à proposer? Ah bah c'est le serveur, ok, y a pas de... Ah, ils vendent des trucs plus d'eux aussi. Et c'est ici qu'on vend les scalps. Bah go. Ils vendent des trucs plus 1 aussi. Attends, mais ils les vendent moins cher que... Attends, ce truc, ils les vendent moins cher que... Parce que les billes plus 1, c'était genre 200 et quelques là-bas. Bon, ah bon vois, c'est quand même vachement cher. Genre par exemple, une hache d'arme plus 1, c'est 2400. Ah oui. Et ils vendent des sorts aussi. Ouais, on n'a pas trop les moyens. Bon, on va rien acheter, hein, tant pis. Et ils vendent pas... Et... Faut trouver l'apothicaire, oui. L'apothicaire. On passe une petite nuit ou pas, du coup? Bah, vaut t'as mieux. T'as des sorts de soins d'Orton, ça a claqué? Non. Bon. Une nuit noble, bon, royale. Genre, on s'en oui, fout. Oui, on hein a les moyens quand même pour dormir oui, bien. Oui. Quoique, 8 gold. Au final, 8 gold plus 8 gold plus 8 gold. T'as pas récupéré lui? Comme l'économie, elle est quand même bizarre. Une hache, entre le prix des haches et une nuit. T'as pas récupéré... Ah si, t'as récupéré 2... 4 PV. Ouais. Après, c'est 8 gold pour le groupe ou 8 gold par personnage qui dort? Ah, pour le groupe j'imagine. C'est pour le groupe, je dirais, ouais. Ça va. Au pire, claque un sort de soin sur Micheline, là, et on redort... Enfin, je sais pas. Si claque un sort de soin, je suis soigné full, donc c'est bon. Ouais, mais pour qu'il récupère son sort. Ah ouais. Ah, attends, hop, on se déplace. Allez hop. Mais t'as le droit qu'à un seul sort, vraiment? Ouais. J'aurais sûrement droit à plus de sorts quand je levais le prêt. Après tout, je suis pas une classe fait pour heal à la base. Hey, j'ai de la bonne bière pour vous. Bon, on reprend une nuit royale.
Hop, on passe la nuit, merci bien. Voilà. Ah, si on laisse le clic droit enfoncé, on peut choisir le placement de nos personnages. Plus facile à dire qu'à faire. Quoi ? Et que ça aille vite, un gaz. Quand on les déplace. Bon, on sait pas lequel est lequel, mais... Ah, ok. Ça, c'est le principal. Super. Ok, c'est toujours centré sur le principal quand... Donc là, si je le mets comme ça, elle se met derrière. Ok. Bon, ça sert à rien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, je suis sûr que ça doit avoir une utilité. Est-ce qu'on cherche la pot... Bah, quand on a que deux persos, ça sert pas à grand-chose. On cherche l'apothicaire ou quelque chose ? La gerbe rouge, le magicien ardent. Auberge, magicien ardent, boutique, forge. On fait quoi ? On part comme ça à la zeub ou est-ce qu'on cherche vraiment un mec qui vend des potions ? Attends, c'est qu'il reste encore une petite zone qu'on n'a pas explorée en bas. Bon, ah. Après, ce serait pas logique que le magasin soit en bas, mais... Après, ils ont pas dit qu'ils avaient un apothicaire. C'est vrai. Faudrait trouver un mec, un marchand généraliste en fait. Attends, je vais aller. Magicien ardent et la gerbe rouge, moi je sais pas. La gerbe rouge peut-être en vrai. Oh, une petite fontaine. Là, il y a une armure là. Une armure de cuir. On peut même pas rentrer dans la gerbe rouge de toute façon. Oh, des gold. Le jongleur jovial. Bah, c'est encore une taverne, hein. T'as deux tavernes dans la même ville ? Eh ben. Attends, je vais aller voir. En effet, c'est une taverne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien sûr. Bon, on continue la quête. On dit qu'au pire, on meurt. Quoi ? L'époux de Marianne. Aujourd'hui, Myriane, Berrigos sont émus. Marie Drouet a dit qu'elle a reçu une âme. Elle est bien évidemment inquiète pour lui. Je vais juré de garder un œil ouvert et signaler toute information intercurrente pour réglaner des informations. Ils sont partis dans le sud. C'est souhait. Et voilà à Nashkel. Est-ce que Nashkel c'est au sud ? On va se déplacer, on verra bien. Monde. On n'a pas la réponse vu qu'on l'a pas dévoilé. Non. Ah si, Nashkel c'est bien au sud. Si, si. Mettre une sauvegarde au cas où ça crache, parce que là on a quand même passé pas mal de temps dans cette ville. C'est vrai, bonne idée. Faut que tout le groupe soit là, je pense. Ah merde, attends, excusez-moi. Il arrête pas de spammer en fait. Si je clique une fois, ça le répète en boucle. En fait, là, si tu scrolles bien vers la carte, tu verras. Là, on a un petit. Petit bosquet. Bah, on y va. Durée du voyage 4 heures. Bien sûr. Un enfant. Il y a encore un enfant. Attends, mais lui, il va peut-être pas nous insulter cette fois-ci. Perdu. T'es perdu. Oui, d'accord. J'ai mis la 3. Bon, bah, allez, on sait très bien ce que ça signifie, hein. Bah non, il va pas nous attaquer, ça m'étonnerait. Il nous traite voilà. De pauvre type. Belle ghost, non, oui, merci, on en revient. Il a des pop, t'as pas le temps. Ah. Oula. Oula. C'est quoi ça? Des orgrillons? Oui. Hein? Sûrement. Bon bah go, hein. Vas-y. Ouais. Combien ? Ok, bah faut pas les taper eux. Non. Pas l'un des morts. On a perdu, game over. Alors. Heureusement qu'on a sauvegardé juste avant. On peut pas changer le personnage principal au pire ? Bon bah les ogrillons, on sait que c'est peut-être un peu trop compliqué. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Bah attends, mais c'est au sud qu'on doit aller. Pourquoi il nous faut rencontrer des mobs comme ça s'ils sont trop forts pour nous ?
Aussitôt dit, aussitôt. Ou alors c'est peut-être aléatoire et on n'a pas eu de chance. Attends, on va voir la réponse. Hein. C'est encore des ogrillons. On fait quoi? On les contourne ou on réessaye Il faut que Paladin passe en dernier, en fait. En envoyant peut-être Ursulina. Attends, ouais. J'envoie. Le problème, c'est que je suis un tank, moi, normalement, enfin... Oui. Je vais changer, hein. Je vais me mettre en mode lance. Alors, par contre, toi, t'aurais dû rester sur place. Attends, je vais reculer. Hop, aussitôt voilà. Dit, aussitôt fait. Il focus Paladin, hein. Voilà. Eh ben. Ok, je me suis claqué l'impôt des mains sur moi-même. Il y a du gold. Bon bah. Génial. Attends, je vais utiliser mon sort de soin aussi. Hein. C'est génial. Écoute, on en reparlera quand j'aurai repris forme humaine. Bon, du coup, Nathan passe devant avec Ursulina. Bien sûr. Je pensais qu'épée et bouclier ça suffisait hein, pour ne pas prendre Byzance, mais visiblement. Oui. Quoi? Aussitôt dit, aussitôt fait. Nashkel aussi. Ah, parfait. Je serre le poing enflammé. C'est eux? Ils ont dit qu'ils vont vous tuer. Il a dit le point bleu va s'occuper de vous là. Quoi? Interdiction pour banditisme et vol sur la mob quoi. Nous savons que vous avez fait partie du groupe de bandits qui terrorise la voie côtière. Ouais. Ah non, c'est pas nous. Il se trompe. Ouais. Eh bien, à cause de mon beau sourire et de mon honnêteté, si nous étions vraiment des bandits, pourquoi nous promènerions-nous à découvert? C'est quoi? Je vais tenter la première. Bah non. Je vais faire la troisième. Oh merde! Non, c'est bon. Je suis la loi. Je suis merde. La loi. Pause, non? Mais là, on va perdre. On va perdre l'honneur là, si on fait ça. Ah. De toute façon, c'est trop tard. On n'a pas le choix. Je suis la loi. Et au moins, on a une chance de gagner contre eux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis la loi. Quoi? Ils aiment bien tabasser Paladin, hein. Ouais. Merde, j'ai quitté, je crois que... Non, c'est bon, je peux recharger. Ouais, mais on revient là-bas à chaque fois, c'est chiant. Je peux pas au pire... Ah, au pire, je peux faire modifier le personnage. Je peux supprimer Paladin. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Salut, nos amis. Faut pas leur dire qu'on a un beau sourire, mais... Quoi? Ah non, faut juste leur dire qu'on est innocent. Attends, on va refaire le combat contre les ogres. Attends, je vais anticiper. Avant d'aller plus loin. Hop, transformation en loup. Voilà. Un gaspillage de talent. Allez-y, passez devant, moi je... Je veux plus. Ah mais... J'ai des banques pas après moi. Attends, il a pris cher là. Ah, bon bah ok. Bon bah l'impôt des mains se fait tout seul, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Et du coup, on est condamné à se faire soulever par les moindres mobs qu'on va croiser ou il y a moyen de faire des quêtes secondaires pour gagner des glisse-pays et devenir badass? Pour l'instant, on est destiné à se faire soulever, je pense. Je serre le poing enflammé. Bonjour. Alors, vous vous trompez de personne.
Nous abandonnons, vous pouvez faire nos prisonniers, nous jetons même nos armes. Ah ouais. Si nous étions vraiment débordés. Bon, on va essayer la 3. Bon, d'accord, peut-être avec Thor et Bobo d'abandon, vous pouvez partir. Ah voilà. Bah voilà. La diplomatie. Alors attendez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle a un peu à la traîne. Ah oui, Thomas, elle est en mode. Je l'ai mis en mode défensive. Ok. Parce qu'elle a des petites jambes. Oula. Oh putain. Bon, ça c'est pas. Ah. Ces trucs là c'est pas très dangereux. Attends, quoi, mais. Eh non, je te jure que Paladin de. C'est une merde en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est une grosse merde. En fait, j'ai l'impression que quand on a tué le gamin tout à l'heure, c'était un coup critique vu comment ça l'avait démembré. Et depuis, c'est les karma. Pourquoi Paladin il prend si cher? Ok, faut aller dans une montagne et après on peut aller à Nashkel. Oula. Bien sûr. N'importe quoi. Ouais. Je sais pas c'est quoi, mais moi je m'en vais. Ah, t'es ici. C'est pas une. Ouais, mets de pause. Oh là. Oui, bien sûr. Oui. Quoi? Je sais pas si bien c'est. Le truc, c'est que moi, on a trop de. Enfin. Attends. Familier. Les familles, ça fait rien. Votre mort si ne se fera pas attendre. Je sais pas. Quoi? Elle attaque. Il s'enfuit là. Oh putain. Je peux soigner mes blessures. Bien sûr. Critique. Bah alors crève toi. Mais des fois tu tapes, j'ai l'impression que tu tapes 15 fois avant qu'il meure. En avant. Quelqu'un est mort. Bah c'est rapide là. C'est la même que tout à l'heure. Non mais il y a un problème dans ce jeu hein. C'est pas normal. En avant. Ou alors on succe vraiment de ouf mais. Bien sûr. Oh là le stuff qu'ils ont. Oui, ils ont pas mal de stuff, hein. Casque, machin et tout. Bon, on prend tout et. Ouais, on prend tout et on triera après. C'est trop lourd. Je suis trop lourd aussi. Un paladin est trop lourd, du moins. Bien sûr. Ah merde, il faut que je récupère son stuff. Ah ouais, attends. Ah, attends. Ouais, attends, elle est morte ou? Elle est morte normalement, bah ici. Oh, on a tout déjà tout ramassé en fait. Ouais, on a dû le ramasser. Quelqu'un a récupéré son... Ah, vous avez récupéré son stuff. Quoi? Peut-être. Elle avait quoi? Aussitôt dit, aussitôt fait. Casque, émail, un truc de maille. Code de maille. Ouais, j'ai. Ouais, j'ai casque et code de maille. Ah, okay, bah, c'est ça. Et une hache. La hache, j'ai pas. Ouais, et qu'est-ce qui cachait par là-bas là? Je regarde. La hache, je l'ai aussi. Ok. Y'a des morts là? Un collier. Amulette de la famille Clochette. Ah, bah Clochette, voilà. Elle a fait boum. Attends deux secondes, je vais regarder ce que ça fait. Un gaspillage de talent. Les amulettes sont généralement magiques.
Sur du coup une chaîne de type d'accompagnement la violette, un sang, des aléas physiques, des propriétés magiques. Oula. Avec une seule gaffe, ça one shot par ici. Oh merde. De quoi? Je me suis fait one shot par un mob. Oh bah je me suis fait one shot. Oh. Je crois que c'est des gobelins, Mira. Mais on fait quoi du coup? Bah attends, mais il est trop dur ce jeu. J'ai plus de perso. On peut pas raise? Attends, parce qu'en plus on peut pas. Il faut aller récupérer le stuff des persos. Oui. Ah ouais, mais t'es marrant toi. C'est des kobolds. Oh, ça. Ah oui, ils sont vraiment fragiles par contre. Oh. Non mais attends. C'est insupportable ce jeu. Et tout ce qu'ils avaient par contre, what the fuck? Il y en a encore? Attends, c'est bon, je freeze. Ton jeu à freeze, genre c'est foutu. Non, c'est bon. Fais gaffe. En avant. Mais t'es trop fort en forme loup-garou en fait. Il y en avait encore en bas. Enfin, il y en avait encore tout à l'heure moi quand je suis venu. Non? Peut-être pas. Bon, il y a quand même du stuff à récupérer là. Ouais, mais on a plus de place. Ah, mais déjà, je peux faire un peu de place en par exemple mettant les flèches là-dedans. Ça, on peut prendre. Ça, on peut prendre. Je veux dire, les 50 épées longues qu'on a, je pense qu'on peut en abandonner. C'est pas trop grave. Ça, je peux l'équiper ici pour l'instant. Ça, je peux l'équiper là. Pour l'instant, on les revendra après. Ah, mais j'ai 119 de place, enfin 119 de poids de toute façon. C'est un enfer. J'ai vraiment l'impression qu'on est tout pourri. Après, on fait peut-être quelque chose de mal aussi. Hein. Peut-être que faire 6 persos. Oh putain. Je pense que faire 3 persos serait plus facile. Bah je sais pas. T'avais le loup-garou tellement fort. Oui, enfin. Tu restes combien de temps en loup-garou? Je sais pas, c'est pas écrit. On va tous reroll guerrier sinon. Ne me touchez pas. Ouh. Je quoi risquerais d'attraper quelque chose. Attends, mais on lui a déjà parlé lui non? Attends. On va essayer d'être gentil avec lui, c'est pas le moment de se friter avec les gens qu'on croise. Oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est parti pour Nashken. Vas-y. Waouh. Oh, c'est bon. Peu après votre fuite précipitée de Château Suif, les problèmes que doit confronter la Côte des Épées ne sont plus qu'un lointain souci pour votre esprit embrumé. Toutefois, Gorion n'a aucune envie de vous voir vous adonner à l'oisiveté, et peut-être qu'une enquête sur les problèmes locaux vous permettrait de mieux comprendre votre propre situation. Comment la pénurie de fer ou les problèmes des mines de Nashkel peuvent-ils être liés à vous? Vous n'en avez aucune idée. C'est bien gentil tout ça, mais... Oui, bien sûr.
T'as tous ces gardes. Vous avez Oh merde. Déclinez vos identités. Nous sommes le groupe de paladins des... Ouais. Je suis paladin des... Voici voilà mes aventures. J'ai voulu dire que cette région connaît une période troublée. Permettez-moi de vous... Ouais, enfin, je veux bien... On cherche un endroit où se reposer, en fait. Là, il y a un lit, en tout cas, juste à côté. Ouais, c'est une auberge, mais ils vont 13 dans l'auberge. Genre, tu dors et tu reviens mieux. Eh ben, il y a une auberge, je vous préviens, l'attention est vive au premier faux pas. Vous n'aurez plus qu'à... Ouais, non, mais... Ah, mais de toute façon, on va pas les énerver, hein. Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous. Je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Faut d'abord trouver... l'église, s'il y en a une, pour Rez. Ah, là, il y a un cimetière. L'église doit être ici. Pour la gloire d'âme. Oh, tu casses les couilles. Oh, putain, le dialogue. Ils sont pavés de texte. LOL, j'ai pas lu. Carrément. L'église, elle est là. Vite, on va. Nathan, revient. On va prendre un abonnement, au pire. Une carte fidélité. Sûrement. Salut. Ah, des aventuriers intrépides sont à nos portes. Ouais, ouais. Et Home veille sur vous conformément à votre demande. Ah, c'est eux qui vendent les potions de soins, c'est 123 gold. Oui. Alors, rappel à la vie. Paf, moins 100. Rappel à la vie. Paf, moins 100. Rappel à la vie. Paf, oui, moins 100. On va dormir. Attends, il faudrait du stuff après. Déjà, on va se rendre le stuff, ouais. Ah oui, déjà. Il te faut du stuff. Il te faut quoi comme stuff exactement? Bien sûr. La hache, la cotte de maille, le casque, l'armure en cuir, la dague. Alors la hache. Et la ceinture. Alors le soin des blessures légères soigne quand même du 8. Hein. Cuir. Là je viens de l'acheter juste pour tester, ça a coûté 50. Alors t'avais dit quoi? Hache, casque, armure en cuir. Oui. Ouais. Il y a des trucs, c'est moi qui les ai, attends. T'avais ça aussi, je crois, une ceinture. Tiens, un casque. Le casque, je l'ai déjà récupéré. Ah, un casque en doublon. On le vendra. Et c'était la côte de maille, c'est elle qui l'a, ça. C'était ça? Alors, attends. Bien sûr. Ah, je crois que c'est peut-être celle-là, en fait. Quelqu'un aurait-il la bague en or que j'avais? Oh, attends. Ah oui, je l'ai. Attends, t'avais une bague en or? Oui. Et tu l'avais équipée? Bah, tu l'as ouais. Pas rendue. Ça donne rien. Non, j'ai pas ma dague. Attends, qui a ma dague? C'est toi qui... Elle donne aucune stat? Je sais, mais elle était jolie. C'est juste pour la vendre. Ah, tiens, je la repose par terre. Mais... J'ai pas ta dague. Moi, j'ai pas de dague. On a pas ramassé de dague non plus. Bon, on t'en rachète. J'ai pas ramassé de dague. Ah, ouais, merde. Oui. On t'en rachète. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai posé là en or par terre. Ah, ah merde, attends, je l'ai récupéré sans fait. C'est vraiment bien, ma pote. Bon, je vais jeter ça ici, ça prend de la place pour rien. Voilà, je m'en servirai pas de toute façon. Non, bon, faudra te racheter une dague du coup, Nathan. Ouais. Quoi? Allez, allons dormir. Vous devez réunir votre groupe. Faites des sorts de soins. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas, je suis en loup-garou. Ah oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien savoir comment je fais pour annuler ma transformation d'ailleurs. Bah, sûrement dans le truc spécial là, non? Action spéciale, tu peux pas l'annuler? Dans le moment où tu l'as. Effectivement. Alors, qui veut son soin? Celui qui en a le moins et le plus de PV, donc soit ton guerrier, soit mon paladin. Bah, c'est mieux paladin en fait. Ouais. De toute façon, on va dormir. Ok, merci. Bien sûr. Faut juste espérer que je fasse pas mon impôt des mains sur moi-même, vu que je sais pas comment ça fonctionne, l'impôt des mains, c'est pas moi qui choisis. Bien sûr. On va aller dormir un peu. On va se faire agresser dans l'auberge. On va vite fait vendre nos merdes avant. Et te racheter une dague. Si jamais on se fait attaquer, t'as pas de dague. Il te manque une dague, c'est tout? C'est ça, une dague. Alors. Bienvenue dans mon humble. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Bien sûr. Tu te l'achètes toi-même, ta dague, Nathan? Ou tu veux que j'achète? Je vais l'acheter. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt. Le client est toujours roi. J'ai pas tout la volée. Tout ça, voilà,
Oui. Bien sûr. On peut pas vendre les friches. Sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Oh, attendez. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Ah non, les flèches, on peut pas les vendre. Tourner au ralenti ces temps-ci. Le client est toujours roi. Bon bah les flèches, du coup, on n'est pas obligé de s'en surquiquiner les prendre. Poubelle, hop. Je les laisse par terre chez toi. Bon, je veux juste prendre elle et vendre ces trucs à elle. Bien sûr. Quoi ? Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Voilà. On est repassé à 600 gold. Félicitations. Yes. Ah mince. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Par contre, ils ne pas dormir ici. Plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Non, ici c'est juste c'est pas l'auberge, oui. Alors, inventaire, on va jeter ça par terre. Et ça c'est quoi ça ? Un trajet. Main ardente. Ouais, c'est un sort. Faut que ma mage le ramasse apparemment. Ah ouais, y'a que les mages qui peuvent... Bah je pensais que n'importe qui pouvait les utiliser moi. Quoi ? Puis je me joins à nouveau. Aussitôt dit, bah... aussitôt fait. Attends mais où ? Paladin il est resté dedans, il voulait pas sortir. Paladin il a vu qu'il pleuvait, il a fait non c'est mort, je reste là. Allons dormir. Qu'est-ce qu'il fait six pattes ? Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. Oh non ! Non ? Ah. Quelle surprise de vous voir entrer ici avec cette audace. Je croyais que vous alliez me donner du fil à retordre. Là la description, mais je me refuse de signer l'enfant, j'ai gagné. Le seigneur, non, j'ai gagné. Non, vraiment, non, c'est bah. Le 1, non, je sais pas. Enlève. Putain. Pause. Faut arrêter de choisir les chevaux qu'on se bat à chaque fois. Bah en fait j'ai l'impression que là peu importe le choix et nous on se battait. Bah le 1, c'était calme. Ah bon. mes deux personnages sont freeze. Bon mes personnages sont pas freeze mais quand tu tapes ça a pas l'air de faire de dégâts. Ah bah yes. Mais elle est pas tuable elle. Je peux rien faire elle est... Oui, bien sûr. Bah yes. Bah recharge et sauvegarde hein ce coup là. Quoi? Ouais mais elle est où la dernière? Sauvegarde auto, ça a l'air d'être dans l'église. C'est quoi ces jeux où les mobs se mettent invincibles là? C'est la triche? C'est un donjon et dragon. Très souvent dans les donjons et dragons, tu rencontres des mobs intuables. Le MJ, là. De vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Sûrement un sadique qui s'attend à ce qu'on prenne des bonnes décisions. Aussitôt dit, et on prend le madag, les... vite. Ouais, on speedrun là, on n'a pas le temps. On va aller tout lui vendre. Bienvenue dans mon humble établissement. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. D'accord. Le client est toujours roi. Ouais, je vais les payer. Oui. Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Hop, hop, hop. Ça c'est vendu. Voilà. Bien sûr. Et que ça aille vite.
On se casse. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça peut paraître indigne d'une dame, bien mais sûr. Je vais vous égorger. Bien sûr. Vous allez voir ça. Bon. On prend lequel? Moi j'avais fait le 3. Pitié. C'est le 3 que j'avais fait tout à l'heure, ça marchait pas. Le 1 peut-être, pour m'attacher. Je pense, hein. Mon nom c'est Nera, je suis chasseuse de primes, et sur votre tête plane un joli magot. Ah. Mais pourquoi? Essayez de sortir vite fait. On peut s'enfuir. Ah, elle nous suit. Les gardes. À nous, la garde. Courez. Putain, courez. Oh non. Y'a un mec qui la tape. Non mais c'était les glyphes. C'est quoi ça? Non! Oh! Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une chasseuse de primes sur la gueule? On a tué un enfant! Aussi forte en plus! Aussitôt. Allez, rentre dans le toit! Vite dans l'église! C'est vrai, l'asile politique! Yes! Oh, voilà! Bon. Prends les dégâts! Vas-y! Tiens, prends ça! Oui. Mais non, mais! Super. Ah oui, c'est vraiment fort son speed! On va la voir. Aïe! J'aimerais bien pouvoir bouger ou la tuer avant que je ne meure. Allez! S'il te plaît, petit Jésus! Jésus, Marie, Joseph! On l'a tué! Yes! Vous devriez éviter les combats de. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas le temps. Vous êtes qui vous? Mais non, mais j'ai pas envie. Non, je sais pas quoi choisir, j'ai pas envie d'être agressif. Le deuxième, tu vois, au moins tu t'excuses. Temps pour ça pour le moment. Bah ouais, mais là c'est... désolé, mais va te faire foutre en gros. Ouais, mais le Z-Kivu, c'est un peu agressif quand même. Ok, c'est bon. Ah, y'a encore sens. Ouais, elle avait des trucs sympas apparemment. Bon, bah on va aller re-raise, hein. Bah yes. Attends, on en reparle dans 5 minutes quand on pourra bouger. Je peux pas vous le délivrer. Ça va vous? Ça va? Quel enfer. En fait, c'est vraiment sur la chance, hein. C'est vraiment sur la chance. Oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On a besoin de tous rentrer, non? Tu peux aller le reste toi-même? On n'a pas le droit, il faut être en groupe. Ah merde. Ça va, Nathan? Bah, moi, ça va. On peut mourir autant de fois qu'on veut. Tant que t'as des pièces d'or, je pense. Ah, oh, mais là, on va plus en avoir beaucoup. Hein. Par chemin de transformation de la pierre en enchère, ensuite. Attends, élixir de santé, c'est quoi? Et Homme veille sur vous conformément à votre demande. Bon, bah, on va raise. Comment on raise? Alors, si tu parles au mec, tu cliques sur le perso qui est mort et tu fais ramener à la vie. Et Homme veille sur vous conformément. En fait, quand tu cliques sur le perso mort, ça te met en surbrillance à ramener à la vie, parce que c'est la chose que tu peux faire sur lui. Ah bon? Oui. Tu sais, sur les trucs à droite là, les icônes ouais, à droite. Tu cliques sur le mort et t'as ramené à la vie. Alors, moi, personnellement, ah j'arrivais pas à la Allez, ramener à la vie. Le ressuscer. Bon, du coup, qui avait quoi? Qui a besoin de quoi? Non, moi, c'est bon, je me suis auto-looté. Quoi?
Bah là, j'ai rien récupéré. Bien sûr. Et que ça aille vite. Bien sûr. Ninjato. Y a quelqu'un qui utilise les armures feuilletées? J'en ai une en rab. Je sais pas ce que c'est. Pas moi. C'est une armure qui sert pour... Attends, mais elle avait le même stuff que moi, en fait. Ah, on peut switch directement entre les inventaires avec 1 et 2, pas besoin de fermer et de cliquer sur le personnage. Ah oui, en effet. Gourdin, c'est pas à vous? Non. Alors, on peut même... on clique sur l'item, on change d'inventaire avec, bon, du coup, 1 ou 2, et on peut déplacer les items comme ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. D'un inventaire à l'autre. Ah, et qui? Attends, est-ce que c'est les mêmes items que... Y'a pas un truc pour comparer? Bon, je crois que ça fait exactement la même chose, ça aussi. Quoi? Ouais. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez alors, réunir votre classe d'armure plus 1, nécessite 12 en force. Classe d'armure plus 1, nécessite 12 en force. Classe d'armure 4, projectile 2, nécessite 8. Non, c'est exactement la même chose. Par contre, le casque qu'elle avait, je l'ai équipé sur Paladinde. Ça protège contre les coups critiques. Ah. Ça peut être intéressant en vrai pour éviter de se faire one shot et de devoir charger la partie. D'ailleurs, tu devrais sauvegarder là. On va aller vendre avant. Ah, sur le cadavre là. Ouais. On peut pas le. Non. Moi personnellement, j'ai rien à vendre. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Bah, les saloperies qu'on a drop sur elle. Plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Ah, il veut pas acheter le gourdin. Voilà, plus 26 gold. On a 411 comme l'été. Belle référence. Bon, j'aime beaucoup. Ah, vous l'avez agressé? Ah, oh, c'est lui qui nous parlait. Vous êtes sans... En fait, j'aimerais mieux que... Dites-moi en plus, pas maintenant. Bon alors, petite sauvegarde. On n'est pas à l'abri d'une autre chasseuse de primes. Dans la même auberge. T'as un sort de soin dans ce sens? Oui. Je regarde, mais je crois pas. Pour le marché, ça aurait pu nous protéger, quoi. Non, pas de sort de soin. Un gaspillage de talent. Bon, bah on va dormir. Hein. Si, on a jamais eu de rat. Non, ah, y a pas de chambre royale ici. On va prendre la chambre noble seulement. Bon, bah. Écoute, on va prendre ce qu'on peut, hein. De toute façon, il va falloir dormir vous plusieurs pas fois. Pas souvent, mais ce soir, vos visions sont intenses. Ah. Vous avez parcouru un long chemin, et vous vous retrouvez à présent devant les murailles de Château Suif. Votre ancienne demeure s'élève devant vous avec ses murs gris, tels que vous voulez rappeler. Par-dessus les barricades, vous apercevez votre ancienne chambre et vous vous demandez si elle a toujours été aussi petite. Vous vous tenez là, devant Château Suif, lorsqu'une silhouette familière apparaît. Gorion surgit devant vous, mais son visage est sombre et frêle. Il est mort dans vos rêves, comme dans la réalité. Le fantôme de votre père adoptif progresse silencieusement vers les bois, vers ce qui devrait être la sécurité. Il vous fait signe de le suivre comme il l'a déjà fait une fois. Cette fois-ci, vous restez derrière, car vous savez à quoi vous attendre. Devant vous, des fantômes du passé rejouent la triste scène qui s'est déroulée en votre absence. Portant une armure sûrement magique, une silhouette se profile dans l'obscurité. Bien qu'il ait été un puissant magicien dans sa jeunesse, Gorion est démuni face à la violence de cet assaut. Lorsqu'il tombe, la scène reprend depuis le début indéfiniment. Cette répétition de la scène rend le mystérieux guerrier d'autant plus impressionnant. Tandis que vous dévisagez le meurtrier de votre ancien mentor, vous avez une brusque révélation. Le même pouvoir vous habitera. Peu importe le temps et les efforts que cela demandera, vous posséderez tout ce dont il est doté et plus encore. Cette certitude en tête, vous voyez se dessiner clairement un passage à travers les bois sombres, et vous vous demandez comment vous ne l'avez pas aperçu plus tôt. Les arbres se referment derrière vous, alors que vous avancez, mais vous ne vous en préoccupez pas.
Vous avez l'impression qu'il s'agit du bon chemin, du chemin qui vous mènera vers ce que vous recherchez. Il semble en faire la promesse d'une voix que vous reconnaissez, mais n'avez jamais entendue. L'image de la mort de Gorion vous hante toute la nuit durant. Vous vous y habituez. Ok. Oui. Ok, boomer, j'en viens. C'est triste quand même. Dans capacité spéciale obtenue, absorption mineure de l'Arlok. L'Arloche. C'est quoi ça? Ouais, j'ai deux nouveaux trucs. Absorption mineure de l'Arlok et protection. Non, je comprends le mal, ça oui. Détection du mal. Et imposition des mains. Ah bah je peux le faire là, imposition des mains. On va le faire sur. Bah, sur le guerrier. Hop. Donc je peux choisir, mais des fois il se fait tout seul. Bon, par contre, la peau des mains, normalement, ça soigne pas de PV. Hein. En effet, on prend une nuit. Parce que là. Si, on a jamais eu fais ton sort de soin. Ah oh ouais, attends, faut annuler le dialogue. Ah, d'accord. Je n'ai besoin de rien pour le moment. Je pensais que tu pouvais le faire pendant. Je pensais pas que ça frisait en fait. Alors, soin des blessures légères, sur. Bah, sur n'importe qui. Peut-être sur. Les deux qui sont à moins 4 PV. Donc ouais. 4 sur 8 ou 6 sur 10. Un des deux. Allez hop. Okay. Bonjour, vous savez où on vient de dormir? On aimerait bien redormir encore une fois. Bon monsieur. Vous pouvez nous donner des vraies chambres pour qu'on s'agèle full vie? Quoi? Bon là c'est pas mal. Il manque 3 PV à machin. Je vais te faire l'impôt des mains, limite. Comme tu le sens. Ah bah non, t'as tout full life? Non, il manque un PV. Tout est verrouillé. Un gaspillage de talent. Attends, comment t'as gagné 3 PV, Nathan? De quoi? Je sais pas. T'étais à 13 sur 15, t'étais à 12 sur 15, et là t'es passé à 15 sur 15. Je sais pas, ça rend 3 PV peut-être la nuit. Oui. Bon, on y va. Non, bon, j'arrive pas à déverrouiller, c'est. On est pourquoi ici d'ailleurs? Bah pour se soigner. Visiter les mines de Nashkil. Ouais ok. Bon bah on va aux mines. Vous voulez absolument voler des choses? Parce que là on est dans une auberge. Ouais bah je me bats. Ouais enfin je signale juste avant, on s'est fait agresser quasiment mortellement. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il m'a fait peur, il a fait des coups de pied dans le vent. Rassad. Vous aussi vous avez une musique un peu inquiétante là? Oui. Ouais. Elles sont où les mines? On le sait. Moi je suis parti au pif mais... Non c'est pas. C'est pas écrit? Bah... Berin m'a informé de la situation dans les mines de Nashkel. Je vais devoir y rendre pour enquêter à la source du problème. Elles sont situées au sud-est de la ville. Ok. Donc oui on sait. Oh! Une petite piscine privée. Oh, regarde le mec il a un putain de tombeau là. Bon sang, ce jeu va finir par me tuer. Bah, on est déjà mort plusieurs fois. C'est souvent un développeur. Je suppose. Alors, dans tout c'est où tu voyais tout à l'heure l'XP qui nous manquait et qu'on avait? Dans la fiche de Berthold. Ouais. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? T'appuies sur R. Fiche de perso. Niveau suivant. Oui, oui, oui. Ok, il nous manque 1710 display. Hein. On n'est pas prêt de level up. Hein. Ouais. On va en continuer à se faire défoncer pas mal de temps. Il y a des petits tonneaux à looter là. Rien. Et rien. Nickel. Par là, les mines, non, il y a un puits, il y a des petites maisons de mines. Il y a un mendiant là, attends je vais le défoncer. Dépouille-le, vas-y. Le monde pour les pauvres. Le problème... Ah, on a eu une quête, j'ai rencontré un mendiant qui disait avoir été marchand, du moins jusqu'à ce que la crise... Bah, on n'a pas le temps de lire. Il y a Edwin là.
faut sortir avec la carte du monde. Taverne du dragon qui rôde, garnison. Sud-est, bah oui, c'est par là. Ouais, bah. Il faut changer pour aller dans les mines. Ah oui, les mines des Nashkel. Et juste en droite, il y a le festival machin. On ira voir en revenant. On va d'abord ouvrir aux mines deux fois. Je sens que c'est joué. Vous attaque. Non, mais. Ah non, mais c'est pas nous ça, c'est. Bonjour humain, heureux de vous rencontrer. Salut tout le monde, les gens. Voyageur, et c'est bien l'appellation la plus agréable que j'ai entendue depuis des semaines. Nous devrions tuer celui-là. Non, mais. On veut juste jouer en fait. Essayez donc, elf. Non, quelle traîtrise. Quelle traîtrise. Quelle indignité. Allons, allons, il n'y a aucune raison. Oui, bah, pas de violence. C'est honteux. Possession. Il va falloir être plus convaincant que ça, brigand, vous cinq, contre notre groupe. Mais non ! Arrêtez de vouloir nous tuer ! Il y a que ce choix. Si je meurs, vous mourrez avec moi. Mais n'ai-je pas envie de mourir ? Prenez ce que vous voulez. Et trouvez-vous avec. Attends. Peut-être vous l'avez remarqué, mais nous aussi. Leur flèche pointée vers vos cœurs. Mais non ! Levez le. Mais non ! Mais. Oh non, mais prenez tout ce que vous voulez. On leur dit prenez ce que vous voulez ? Mais ils vont... À poil. On va finir à poil avec un sérieux mal de rectum. Si je meurs, vous mourrez avec moi. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est soit ça, soit on leur donne du stuff. Oh. Oh. Non, regarde, je les tue tous là, c'est moi. C'est moi qui les tue, regarde. Wow. Si, si. Tu dis que c'est toi, c'est moi. Oh, c'est le mec qu'on a rencontré dans la taverne qui nous demandait une bière. C'est notre ami. Tu devrais être mort ou en train de moisir dans une prison, Alexane. Comment t'as-tu retrouvé ? Attendez, là on est en drama là. Wow. Bon, même si en anglais j'aime bien écouter les voix. Désolé. Hein. Ah, les gars, attaquez-les, ils sont morts. Non, il en reste deux là-haut, rien. Et après, il reste les deux qui sont insultés. Je les avais pas vus, ceux là-haut. Alors, on va se battre. Ouais, mais là, maintenant, on est neuf. Hein ? Oui. Pause. Alors, je le sens pas. Je suis très content déjà de voir qu'il y a plein de loot. Alors, moi, je vais. Ah, c'est moi qui ai le contrôle, Dort. Je crois. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un est déjà mort ? Quoi ? Waouh ! Mais quoi ? Ma druide s'est fait one shot. Elle a même pas le temps de se transformer. Mais il est important, vous pensez ? Plus touché que je ne le pensais. Vous pensez qu'il est important ? Il a des sorts ? Non, ça c'est moi ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au pire, on le laisse. Ah, mais ma hache s'est cassée. Il est mort. Mais on va. Non, mais c'est pas possible ce jeu, y'a un problème. J'ai l'impression de jouer avec le pire MJ de l'univers. Fais-moi un jet. Ah, j'ai fait un 100 sur 100. Ok, t'as raté ton coup, je suis désolé. Regardez, on touche même pas. Mais ouais, mais... Par contre, Dorn, il est mort, le pauvre. Fou. Hein ? Fuis ! Cache-toi ! Cours !
C'est bon, j'ai repris le focus. Non mais, on touche jamais. Elle avait combien de classes d'armure? Votre mort ne se fera pas attendre. Eh, t'as fait un échec critique. Eh, j'ai fait un coup critique. Je l'ai touché que sur un coup critique. Ouais. Le familier est... Attends. Le familier est mort, vous avez perdu des points de vie et un de constitution de 20... Quoi? Le familier est mort, vous avez perdu des points de vie et un de constitution de manière définitive. Oh non. Wow. Oh bah j'ai quand même deux persos morts. Et comment ça? Ce jeu il est infâme. Mais regarde. Dis-toi qu'il y a un mode, il y a un mode où les persos meurent. Paladin, tu ferais mieux de courir. Non non. On meurt ici. Ouais, oh oui. Par contre ce jeu putain. Non mais c'est pas possible. Attends, je vais juste regarder. Si on charge la partie, on la charge où? À l'arrivée de cette map ou... Attends, on va se regarder la partie. Je crois qu'on charge la partie à l'arrivée de cette map. Bah recharge là, hein, parce que là ça va pas être possible. On faut juste les archers avant, parce que les archers ils ont fait moins 4. Je crois hein, je suis pas sûr. Bah déjà j'ai même pas le temps de transformer mon personnage en loup-garou qui s'est fait one shot. Bon, on va essayer, on va recommencer au pire, parce que là c'est pas possible. Putain, les pépites de chocolat. Voilà, c'est bon. Vraiment, pépite de chocolat. Bon, du coup, maintenant on sait que c'était là ou pas. Je sais plus. Un gaspillage de talent. Ah oui, on avait juste changé de map et. Ouais, on venait juste d'arriver donc c'est bon, on a rien perdu. Là, on peut skipper les dialogues. Ouais, on leur dit directement, on va vous buter. Bon, qu'on a pas peur, on va les ennemis oui. vous attaquent. Ah ou alors, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on est obligé de finir, tenir le dialogue pour que Dorn arrive? Dans le doute, refait le même dialogue. Ouais. Quelle traîtrise est celle? Essayez donc, elf. Quelle traîtrise, voilà, voilà. Si je meurs, vous mourrez avec moi. Mais pause avant le début du combat. Bien sûr, oui. On pose, ok. Ouais. Oui. Hop, l'archer tout de suite. Et la transformation. Hein? Voilà, moi je suis prêt. 4 F. Mode défensif et. Ok, c'est bon. Normalement, ça va être bon. Attends, je vais essayer un truc. Voilà, vas-y, j'essaie un truc. On va voir ce que ça va faire. Ah, attendez. Si vous avez attaqué les archers, au corps à corps, annulé. Je vais essayer un truc. Quoi? Ah, attends. Bien sûr. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Putain, paladin. Ça marche pas? Ah, donc l'enchevêtrement, ça vous touche aussi, hein, du coup. Ah, merde. Ah, donc là, on va mourir. Ah, coup de gueule. Ah, bah, mage est morte. Oh. Ah, mais elle a rien pu faire, elle était bloquée dans l'enchevêtrement. Du coup, on saura maintenant que. En fait, n'importe quel de nos sorts tue nos alliés. Oh! Oh! Voilà, c'est étrangement mieux passé. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une grosse histoire de chance. Je suis désolé, mais là, on l'a tout shot le mob. Oh,
Êtes fou, paladin? Yes. On parle d'un enfant qui a été massacré. Y'a pas de preuve. Quelqu'un veut pas remplacer son personnage par lui? Bah en vrai j'hésite à remplacer la mage hein, parce que lui il a l'air goldé. Et la mage, je viens d'apprendre que quand j'invoque mon familier, je perds un de constitution de manière permanente. Tu vas y me retrouver à moins 5. C'est vrai que tu peux prendre, tu peux la remplacer si tu veux. Le problème c'est qu'un mage c'est toujours bien dans un combat normalement, non? Enfin dans un groupe. Je sais pas. Ouais mais je l'ai mal fait ma mage en plus. Je savais pas que familier c'était aussi pourri. Bah en vrai, vu que les sorts sont pas bien décrits non plus... Ouais. Ouais, je vais remplacer ma mage, hein. À moins que l'un de vous le veut. Non, non, ah, vas-y. Non. Désolé, l'elfe. Voulez-vous vraiment supprimer ce personnage? Bah... Désolé. Du coup, c'est qui contrôle, c'est moi? Oui. Déchéance. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai supprimé un personnage? Oui. Bien sûr. Voilà, wow. Je le remets en deux. Merde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, bah, du coup, on va pouvoir retourner à l'église une fois de plus. Et que ça aille vite. Bon bah on loot tout. Ouais. Voilà ça part. Oh, il y a une dague de qualité bleue là. La oisie... Attends, je vais prendre. Combien? Merde, pourquoi? Attends, j'ai pas réussi à la prendre. Mira, il y a un bouclier aussi qui peut être intéressé de qualité bleue. Ouais, je vois ça. Attends, parce que là j'étais choqué. Il a 500 de place poids, le monsieur là. Pardon? Ouais, son inventaire fait la même taille par contre. Mais il peut porter des trucs hyper lourds du coup. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous cliquez sur la petite gemme rouge là, il y a butin rapide et on voit tous les butins qu'il y a. Hein, plutôt que de déplacer des trucs en un. Voilà. Alors, on va regarder ce bouclier. Classe d'armure plus 1 ne protège pas contre les projectiles. Oh. Nécessite 4 force. On a 444 gold. Non, on va le vendre, je pense, parce qu'il a pas de capacité spéciale. Ouais, je vais vendre le bouclier bleu, moi, perso. Je peux pas l'apporter. Non, j'ai plus de poids. Tu veux prendre quoi? La cote de maille là, mais c'est plus de ah, place. Voilà, c'est bon. Attendez, parce que là du coup je regarde. Il a des compétences lui? Arme empoisonnée et absorption de vie. Pardon? Bah ça va devenir lui le tank du coup hein. Est-ce que je peux le mettre en personnage principal? Je sens que ça va me plaire. J'aurais pu remplacer. Ah non, je peux pas remplacer Paladin vu que c'est le personnage principal. C'est le héros. Besantine, nanana. Pique courte, bouclier de mire. Il a quoi comme compétence? Faudra que j'apprenne à le jouer lui du coup. Il a quoi? C'est un chevalier noir. Ah bah c'est un paladin aussi du coup. Bon bah on va jouer de paladin hein, bien si sûr. C'est comme ça. Écoute, c'est le destin. Hein. Du coup tu sais que là j'ai un paladin loyal bon et un paladin chaotique et vil. Belle équipe. On rentre comment à la maison? En haut à gauche. On est tombé d'une falaise là en fait? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bah on dirait bien. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah non, en fait ça c'était la mine. Ouais, on rentre pas dans la mine, c'était eux qu'il fallait buter. Et là on va rendre la quête. Ah non, on est à mi-chemin. Bon, on va quand même retourner à la ville, histoire de raise le personnage qui est mort. Je crois que c'est la druide. Et peut-être se soigner un peu aussi. Bien sûr. Après une nuit à l'hôtel. Voilà, ce qui est bien, c'est que comme on a découvert la map, on peut cliquer directement sur l'église.
Non, le jeu est très très bien, mais excessivement dur. Ah, il est même injuste, je trouve. On va dire. Mais j'ai regardé, en fait, c'est des dés. En fait, c'est des dés qu'on jette à chaque attaque. Oui. Et en fait, on est vraiment maudit, genre. Ou alors, pourquoi on passe par là? Ah, c'est parce qu'on n'a pas découvert la map et du coup, il se dit c'est le seul chemin. C'est un peu chelou, hein. Ou juste qu'on est con. Bah, moi, j'ai cligné directement sur la porte, regarde. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi, mais on est juste con, en fait. Ouais, ouais. Je vais aller découvrir le chemin qu'on. Je vais aller voir. On aurait pu le faire en sortant, t'inquiète. De toute façon, je crois que j'ai besoin d'être tout seul au pire dans le machin pour raison. Il y a que moi qui peut le faire. Ouais, mais non, il faut quand même être à plusieurs pour rentrer. Ah bon? Bah, je crois. Ah ouais, effectivement. Vous devez réunir. Ah, mais c'est parce qu'il y avait un gros, c'est pour ça qu'on pouvait pas y aller. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oh, des enfants! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tu vas parler aux enfants? Il s'appelle Oublek. On cherche notre copain, il était dans la forêt. Oula. Vous voilà de retour, et si rapidement? Oula, attends. Attends, il dit veut te donner de l'argent, prends. On aurait perdu l'honneur. C'est lui qui croit que tu t'appelles Bouvry. Et voilà, il m'a donné 200 gold. On a récupéré 200 gold. Et par contre, le truc est tout petit, du coup, on voit pas. Ouvrier, c'est moi, collecteur de pirates. Ouvrier, collecteur de primes. Attends, journal. Les problèmes de la région, crise de fer, j'ai rencontré un mendiant. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est que toi qui l'as eu. Peut-être que nous, on l'a pas eu. C'est... Collecteur de... Ah non, moi j'ai juste le mendiant. Alors, Oublek m'a appris pour l'un de ses chasseurs de primes, cette méprise lui a coûté de l'or, lui ainsi qu'à Lougri, mais je me suis fait un peu plus riche. Je suis un peu plus riche. Ouais, non. Il nous a filé 200 gold gratos. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe. Bah finalement, on a un peu réussi cette quête. On peut pas rentrer? Ah non, il faut qu'on soit tous là. Désolé. J'arrive. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Allô? Ah, attends, ça se garde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah ouais, salut. Salut, c'est encore nous. Quoi? Tac, rappel à la vie. Voilà. On va à l'auberge maintenant. Attends, je vais rendre son stuff d'abord. Oui. Stuff que je n'ai pas ramassé du coup. Et t'as besoin de quoi? Elle avait un casque en fer. Un petit bouclier à la con, puis je sais plus. Avant d'aller plus loin. Ah, j'ai pas le. Sûrement. J'ai pas ça. Ah, c'était ça du coup le bouclier que Mira a ramassé? Ça et ça. Vous devez réunir votre Merde. Groupe avant d'aller plus loin. Et elle avait quoi d'autre? C'est tout. Rien d'autre? Ouais, je crois, ouais. Bon, le bâton, on va le porter. Ah, si, pardon, oui, le bâton. Et voilà. Du coup, tiens, tu pourras peut-être l'utiliser, toi, du coup. Non, c'est rouge. Bon, bah, ok, on le vendra. Ça se vend 50 gold. Parce que je voulais essayer de le faire, mais ma mage, elle pouvait pas bouger, elle était enchevêtrée. Et du coup, on sait même pas ce que ça fera au final. Ce n'est pas ma faute pour l'enchevêtrement. Ah bon, t'es sûr? Ouais, non. Allô? Allô? J'ai cru que. Allô? Oh là là, c'est dommage, on passe sous un tunnel. Un gaspillage de talent. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Quoi? Les Bien affaires sûr. Ont plutôt tourné au. Mais genre, le bouclier bleu, on le vend. Le client hein. Est toujours roi. Quoi? Bien sûr. Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Et que ça aille vite. Bien sûr. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Bon, bah ça va. On a gagné plus d'argent que ce qu'on a perdu. Autant que j'ai pas encore vendu ce que moi j'avais. Voilà. T'as une potion d'agilité qui vaut 150, mais on peut pas les vendre. J'ai aussi une potion qui se vend 250. Et je sais pas ce qu'elle fait. J'ai pas lu. Alors? Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Plus 3 d'intelligence, plus 3 de dextérité pendant 12 heures. Hein?
si c'est que pendant un temps défini, on va le vendre. Hein. Quoi ? On doit le vendre à qui ? Très certainement à l'église. On ira voir après. Bien sûr. Après avoir dormi. Après s'être fait agresser par une autre chasseuse de primes. Longtemps, on l'a tué à l'extérieur de la taverne. Donc ça se trouve, ça pourrait faire reproc le truc. Hein. C'est bon. Alors attends, donc déjà avant toute chose. Moi j'ai claqué mon sort de soin. Absorption mineure de machin. Grâce à ce sort, le magicien absorbe la force vitale de la cible pour l'ajouter à la sienne. Attends, mais c'est pas paladin de ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oula ! J'ai tapé mon pote. Mais j'ai rien voulu faire. Ah, mais je lui ai volé la vie ! Yes ! Ça marche ? Et là ? Le pauvre. Attends. Il vient à peine de rentrer dans le groupe, il se fait déjà tabasser. Voilà, je récupère. Donc c'est bon à savoir qu'on peut tricher comme ça, genre se sucer entre nous pour récupérer de la vie. Bah j'aurais pu voler de la vie à un mec full life du coup. Vu qu'on se serait régène en dormant. Jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. T'as pas de sort de soin d'Ortus, hein, par hasard. Non, il est déjà utilisé. Ok. On va louer la chambre. Hop, on passe la nuit. Il manque 7 PV. Le problème, c'est que le jeu, il est assez EF quand même. Quoi ? Je sais que dans le 3, tu peux faire des runs pacifiques. Parce que je sais que tu peux sans tuer personne. Si tu veux, je claque mon sort de soin pour soigner le Dorn. Alors, j'ai pas l'impôt des mains, je ne sais pas pourquoi. Je vais éviter un peu. Bah, c'est ce qu'on. Non, on va juste repasser une nuit en fait, tout simplement. Oui, ça reviendra au même tout de suite. Si, on n'a jamais eu de rat. Et puis, non, même s'il est pas full life. Hein. Voilà, full life. Il fait nuit, c'est parfait. Ah non, c'est juste que le jeu est en pause. Ouais. Donc, il faut aller à. Récupérer des mains. Faut aller à l'église. Pour vendre les merdes ? Bah, je sais pas, je crois, ouais. Vendre la potion ? On va aller voir, hein, si t'es à l'église. Par contre, moi, les gars, je vais bientôt bouger, ce qui va être 23h quand même. Ouais. Ah oui. On continuera plus tard, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il est violent, le jeu ? On a juste pas de chance de nous lancer de dés, en vrai, mais. Il nous respecte pas, hein. Là, j'ai oublié un perso en fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai pas sélectionné tout le monde. Réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe. Là les PNJ qui spam, vous devez réunir le groupe. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Mira mode pause. Excite. Mira mode aussitôt dit, aussitôt fait. Et Home veille sur vous conformément à votre demande. Ah non, c'est pas lui non plus. Et Home veille sur vous conformément à votre demande. Ah non, ouais, non. Mais alors du coup, c'est à qui qu'il faut les vendre ? Bon, j'ai donné un peu d'argent À l'église. Ouais. C'est ça à augmenter notre réputation. C'est cool, on pourra tuer plus d'enfants comme ça. Bon, on s'arrête là du coup. Oui. Bah ouais, je pense. Talent. Sauvegarder. Mais par contre, en vrai, le jeu est vieux, mais je trouve qu'il reste beau. Bah, ouais. Ouais. C'est un style. Bah ouais, c'est le enhanced, il était pas comme ça à l'époque, là il a été légèrement retravaillé. Hop, voilà. Oh, ça se passe comment là, on doit quitter le jeu ? Déjà ? Bah échappe et quitter la partie, j'ai sauvegardé normalement. Ok. Attends, il y a une option graphisme. Bon, bah du coup, moi je vais couper le live. Ciao, ciao tout le monde.